C'est lancé? C'est lancé. D'accord. Ouais. Ah merde, attendez 30 secondes. Ouais. Voilà, c'est bon, en tout cas, ils sont first. Très bien. Alors du coup, bonjour Mouktout, bonjour Méa, bonjour Mileven, merci Méa d'avoir offert un abonnement. Bonjour à vous. Maquis de luxe. Ouais. Bonjour à vous, bienvenue pour cet épisode 4 de Jambes en coton. Salut tout le monde. J'étais partie du coup pour chercher la bande-annonce du nouveau Fort Boyard, mais sachez que elle n'existe pas. Non, il y a du gameplay, mais il n'y a pas de bande-annonce. Je suis triste. Mais c'est pas grave, hein. On va faire ça. Non, on va faire pas, ça. Parce que c'est pas le jeu en fait, je pense juste que c'est le trailer avec les tigres en 3D. Voilà, il n'y a pas de nouveau jeu. Ah si, regarde là, là il y a un truc. Oui, ça dure 34 minutes. Non, ça... 15 minutes. 15 minutes. Vous voulez pas avoir 15 minutes de Fort Boyard? Non. Non, ça vous. Non, non. Quel dommage. Eh bien... Bonjour Bonjour Tatiyomi. Bonjour Armof. Bonjour Zafkig. Bonjour Armof et Tatiyomi. Et bonjour Alvin. Bonjour tout le monde. Voilà. Nous sommes... Attendez, je lance, je lance la musique quand même parce qu'il n'y a pas de musique. Ah oui, je vais passer sur le fil. Nous sommes donc déjà à l'épisode 4 déjà en coton, ce qui veut donc dire que ça fait 10 semaines déjà que nous tenons Mais la oui. chronique. Mais oui. Incroyable. Aujourd'hui, on repart sur un épisode de... Classico-classique. Classico-classique, exactement. Enfin oui et non, parce que moi j'ai un peu plus de trailers, mais ceci dit, il y a des trailers courts sur lesquels je n'ai que peu d'infos. Donc on va essayer de condenser tout ça. De toute façon, on est encore dans la période des annonces de jeux vidéo dans tous les sens. Je suppose que dans un mois, j'en chierai pour trouver les trailers. Actuellement, c'est il y a qu'à se baisser pour les ramasser. Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Donc, on est sur du jeu vidéo et du cinéma aujourd'hui. Après la semaine dense de jeux vidéo de il y a 15 jours. Et du coup, effectivement, je ne sais pas si tu as programmé les jeux vidéo ou les films en premier. Les jeux vidéo. Les jeux vidéo en premier. J'ai regardé, j'ai fait jeux, news, films, enfin vraiment. Très bien, comme d'hab. Alors, pour l'instant, je suis débordé de trailers, comme dirait Méa. Effectivement. On va commencer par un petit trailer pour se mettre dans l'ambiance, un petit trailer qui semble au départ rigolo mais qui a des choses à proposer et sans perdre de temps, je pense qu'on va se le regarder tout de suite. On s'envoie ? Allez, c'est parti. Et ben, juste le temps que, voilà, que je finis de programmer mes fenêtres parce que tout à fait. Voilà. Donc on est bon pour ici et si on se met là, on coupe position. Même le micro. Je suis encore débutante ouais. Dans l'art de la régie. De la régie, exactement. Mais on se lance ça, disons, tout de suite. C'est parti. Ouais, ça a l'air très bien, donc The Fridge is Red, le frigo est rouge, donc un jeu développé par Five Warp Team, c'est leur premier jeu, à ma connaissance, c'était édité par Tiny Build, que vous connaissez puisque ils ont édité pas mal de choses, au pif comme ça, Potion Craft, Hello Neighbors, Gravekeeper, un trailer très cinématographique hein, qui reprend vraiment, vraiment beaucoup les codes du cinéma, je trouve. Il n'y a pas de date de sortie, mais sachez, pour ceux qui jouent sur PC, que vous pouvez d'ores et déjà ouvrir votre client Steam et aller chercher une démo. Puisqu'il y a une démo disponible pour The Fridge is Red. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce jeu ? Eh bien, voilà ce que Steam nous en dit au départ.
Franck est assis dans sa cave, donc je suppose que Franck c'est le personnage que nous incarnons, paralysé par la peur de mourir, mais également concentré sur le fait de retrouver sa fille. Tout ce qu'il a à faire, c'est d'être assis là, et de regarder ce frigo rouge. Alors le jeu nous promet une anthologie d'horreur, donc en épisode, avec des concepts différents pour chacun des épisodes. Une anthologie d'horreur psychologique, donc, inspirée par le courant analog horror, donc tout ce qui est, vous connaissez déjà peut-être un petit peu maintenant, tout ce qui est on a vu les backrooms la dernière fois, c'est de l'analog horror, tout ce qui est sur les liminal space, ce genre de choses, donc vraiment c'est ces choses qu'on a l'impression de, c'est lui qu'on a l'impression de connaître, qui nous semblent familiers et qui pourtant sont un peu dérangeants parce que manque de vie à l'intérieur. Et c'est aussi un hommage à l'époque survival horror de la PlayStation, la première PlayStation du nom, d'où ce côté rétro visuellement. C'est donc apparemment un jeu qui avait été présenté lors d'une Game Jam, et du coup la démo, si je ne dis pas de bêtises, présente déjà deux épisodes. Donc le premier épisode serait un polish du jeu déjà présenté lors de la Game Jam, et le deuxième épisode se passe dans un ascenseur. On voit beaucoup d'images d'ascenseur dans ce trailer. Un ascenseur qui aurait quelques difficultés techniques, notamment, je crois qu'on voit dans le trailer un œil qui apparaît à la place du bouton pour aller à l'étage. On met le bouton et ça fait genre... Oui, ça fait... Oui, tout à fait. L'idée, c'est que tous les épisodes mettront en scène le frigo rouge, pas forcément en tant qu'antagoniste, puisque là, on le voit un petit peu, cette idée de « il faut pas le quitter de vue », un peu à la Slender ou à la Five Nights at Freddy's. L'idée c'est que les développeurs annoncent un petit peu cette présence de frigo rouge, mais comme le keeper des contes de la crypte. Donc ce serait un peu le maître de cérémonie de cette anthologie d'horreur. Voilà pour l'instant ce que je peux vous en dire. Pas plus d'infos que ça. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez du coup, Albin, est-ce que ça te parle? Moi je trouve que le trailer est très bien mis en scène, je ne sais pas le jeu après. Ça rappelle énormément le truc d'horreur des années 90. C'est assez bizarre quand tu me dis que c'est plus ou moins adapté, que c'est dans un courant contemporain. Ah oui, absolument. C'est comme ça. En plus, tu me dis c'est un. C'est en rapport avec les survival horror de la première PlayStation. Ouais, de la PlayStation. Alors, ouais. Pour moi, c'est très. Ouais, c'est très années 90 et même. Peut-être que vous pouvez me corriger, mais il y a encore des films ou des standards où il y a un maître de cérémonie qui présente les sketchs ou les récits intérieurs. Enfin, je sais pas. Enfin... C'est un délire un peu perché, mais Adi, effectivement, moi ce qui m'a tout de suite amusé, c'est pour ça que je voulais vous mettre en premier, c'est genre. Enfin, les gars, c'est un frigo, quoi. Genre, c'est pas une figure horrifique. Voilà, quoi. C'est intéressant. J'avoue que l'esthétique pourrait un peu m'embuter, comme tu le décris, je suis un peu curieux, je suis un peu intrigué. S'il y a vraiment un jeu qui se passe entièrement dans un ascenseur, ouais. Ça sent la performance artistique, j'aimerais bien quand même essayer. Quoi, ouais. Zastig, qu'est-ce que t'en dis? 2 heures dans un ascenseur, ça doit être sympa. La démo, c'est l'ascenseur. Hein. Tu peux le télécharger sur Steam. Je suis un peu intrigué. Ouais. Visuellement, je l'associe plus effectivement au courant analogue horreur contemporain qu'à la PS1, ouais. Qu'à vraiment une proposition forte de jeux qu'on pouvait avoir sur PS1 par exemple, à part peut-être des jeux, je sais pas, de jeux de l'époque, ça peut faire penser à Midsommar Falls peut-être. Moi je trouve que visuellement, sur le côté un petit peu cher de la 3D, tu vois vraiment c'est taillé à l'âge, quoi. Il y a vraiment ce côté Resident Evil, Silent Hill 1, quoi. Même les jeux sur PC, tu te rappelles le jeu où tu es un flic avec un truc de télé-réalité dans une maison hantée. Oui, Devil May Cry. Voilà. Ouais. Graphiquement, ça pourrait ressembler à ça. Ouais, un petit peu. Mais il y a plus de propositions comme ça actuellement, je trouve, qu'à l'époque. Oui, oui. C'était assez marginal quand même, ouais. D'avoir ce genre d'environnement. On est plus effectivement sur un référent contemporain, je trouve, et notamment avec l'analog horror. Ouais, ça a l'air très bien. Ça a l'air original en tout cas. Ça a l'air assez original. Bon, là, le monstre dans le couloir, j'aime pas trop. Ça fait très époque PlayStation. Cette espèce de chara-design un peu en mode où on va mettre un mec, on lui met la peau sous les os et attention, ça fait peur. Voilà. Ça, moi, je trouve que ça fait très Silent Hill premier du nom, quoi. Les amis de Silent Hill premier du nom n'étaient pas ultra inspirés non plus, quoi. Il y a plein de choses que j'aime bien, pas forcément ce qui relèverait du jumpscare, mais sinon, il y a plein de choses.
plein de choses que j'aime bien. Le frigo dans un registre horrifique, il y avait un tout petit épisode en contrôle hein, qui impliquait le fait de regarder un frigo. Oui. C'est vrai. Mais c'est vrai en plus. Ouais, ouais, ouais. C'est... J'y ai pensé assez vite, ça m'a amusé. Donc ça peut être une espèce d'amplification de ce petit délire qu'il y avait dans, dans Control. Mais je sais pas, à voir. Mais ouais, c'est intéressant. C'est un jeu que j'essaierai avec plaisir en tout cas. Eh bien écoutez, comme dit précédemment, c'est déjà disponible en démo sur Steam. Pas de date de sortie, mais en tout cas, vous pouvez, si ce n'est jouer les deux premiers épisodes, vous pouvez au moins jouer le deuxième qui se passe dans cet ascenseur. Voilà, et le trailer promet des choses assez différentes, en tout cas. On peut passer au trailer suivant, si vous voulez. J'ai, alors, c'est non exhaustif, évidemment, de toutes les news jeux vidéo d'horreur de ces deux dernières semaines. J'ai essayé de faire une sélection. Hein. Comme dit, je vous présente que des choses un peu différentes. Aussi, et peut-être des choses qui n'ont pas été spécialement mises en avant, mais vous m'en direz des nouvelles à la fin de ma partie. Le deuxième trailer, d'un point de vue de la DA, il fait partie de nos coups de cœur. Oui, gros coup de cœur. Alors, il fait partie de nos coups de cœur de la conférence Microsoft. Je pense effectivement que des gens comme Mea, Mileven, enfin des gens un peu présents là dans le chat, connaissent le prochain jeu qu'on va présenter. Je ne suis pas sûr que Zafig ni Albin, salut Zweitberg, le connaissent. C'est effectivement un gros coup de cœur qui a été présenté pendant la conférence Microsoft de ce nom de 3. Tachi, je te laisse balancer la sauce. Eh ben c'est parti. Un petit trailer QLF, puisque nous sommes à Bordeaux, chez Shiro Games. Des Shiro Games que l'on suit avec Tachi depuis Evoland, version Game Jam, puisque nous connaissons des gens qui travaillent chez Shiro. À savoir que, donc, du coup, on est sur le label d'édition de Shiro, Shiro Unlimited. Ce n'est pas un jeu donc développé par Shiro Games comme peut l'être Evoland ou leur jeu sur les Vikings qu'ils ont fait dernièrement. On peut même vous dire que Shiro a bossé sur 3 ou 4 projets qui n'ont pas pu se faire sur ces dernières années via notre contact. Mais là n'est pas la question, Shiro s'est lancé dans l'édition du coup, et ils hostent un jeu développé par Atelier QDB, qui est peut-être une filière de Shiro, je ne sais pas. C'est donc un jeu français comme vous pouvez le voir, puisqu'on est Shiro à Bordeaux, mais c'est financé par le CNC. North Gate, oui, absolument, c'était ça. Et Wartail, oui, tout à fait. Donc c'est Bordeaux. Bordeaux qui est une ville qui bouge beaucoup en termes de jeux vidéo aujourd'hui, vous le savez, vu qu'on a un Ubisoft Bordeaux. On a évidemment nos amis de chez Black Flag, dont je n'ai pas mis le dernier trailer de A Plague Tale 2, mais... Asobo, pardon, oui. Black Flag, par contre, qui développe effectivement un jeu qui s'appelle Orphans, qu'on a l'occasion de suivre depuis un petit moment. Jeu dirigé par Adrien Forestier, qui est donc un contact de Albin et de moi-même. Oui, non, enfin voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on connaît un petit peu la scène vidéoludique bordelaise, mais du coup, ce que je peux vous dire sur ce Decarnation, plutôt que de me vanter de connaître des gens. J'ai voulu faire de l'espèce de couverture là, d'illustration de fin au fond d'écran de téléphone. Oui, c'est ça. C'est très beau. Nous sommes à Paris en 1990. Gloria est sur la corde raide, c'est une danseuse de cabaret, et ses relations, sa carrière et son amour propre lui glissent entre les doigts, alors qu'un mystérieux mécène lui fait une offre à la générosité surprenante. Cette offre marque-t-elle la fin de la traversée du désert ou le début de la descente vers les abysses ? Décarnation est une histoire de survie et de combativité dans un monde où se mêlent le banal et le fantasmagorique, le commun et l'étrange, l'adversité du monde réel et l'hostilité des espaces subconscients, une aventure émouvante et troublante qui vous tiendra en alerte
jusqu'à la toute fin. Donc ça, évidemment, c'est la description bourrée de qualificatifs incroyables de la page Steam, puisque le jeu est déjà wishlistable et sort en 2023, comme je vous l'ai dit. C'est un jeu qui est un jeu d'exploration, qui promet évidemment des puzzles, et alors, c'est intéressant parce qu'on nous promet des combats de boss, mais on nous promet également des parties de cache-cache. Alors, est-ce que notre personnage sera capable de se défendre? Parce que les parties de cache-cache avec ce genre de personnage, ça me paraît assez accurate. Par contre, les combats de boss, est-ce que c'est des boss... La bagarre, ouais. Est-ce que c'est des boss puzzle, peut-être? Je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir d'armes. Graphiquement, oui, RPG Maker, je ne sais pas, mais en tout cas, comme vous voyez, on est totalement éloigné de The Fridge's Red. On est sur quelque chose qui rappelle un petit peu, effectivement, la scène RPG Maker. Ce que je peux vous dire d'autre sur le jeu, c'est qu'il y a un espèce de gameplay en miroir. En gros, Gloria, en fait, elle va se renfermer sur elle-même, elle va partir dans son imaginaire. Et du coup, dans ce monde imaginaire, elle va réaliser des actions qui vont l'aider et la rendre plus forte dans la réalité. Cependant, cette force qu'elle va obtenir dans la réalité va faire changer son imaginaire. Donc en gros, il y a une espèce de balance, comme ça, un système de calibrage de sa propre psyché qu'il va falloir résoudre. Et c'est un petit peu la promesse d'horreur psychologique que nous fait le jeu. Il y a donc une thématique sur le monstre intérieur, évidemment. Le jeu se revendique, inspiré par David Lynch, qui est partout dans l'horreur, et le cinéma de Satoshi Kon. Voilà. Bah Zafik, ça te fait rire, je te laisse commenter. Ça m'amuse parce que j'allais dire, c'est Mulholland Drive, Perfect Blue, on est vraiment sur ces références cinématographiques. Voilà, hein, on prend une artiste, et puis on board un récit autour de son imaginaire d'artiste, le côté création, le côté travail du corps, et puis on réfléchit sur les implications psychologiques de qu'est-ce que ça implique en fait d'être... un corps comme ça, actif, en représentation, d'être une artiste, etc. etc. Bon, donc oui, on est sur des références cinématographiques. Hein. Mais après, moi-même, j'ai souvent dit que je trouvais que Satoshi Kon, c'était le David Lynch japonais. Donc, le fait qu'il y ait une proposition sur les deux cinéastes, ça me semble extrêmement pertinent. Après, l'imaginaire de Lynch et de Satoshi Kon ne sont pas les mêmes, mais les thématiques abordées, en tout cas, se rejoignent bien souvent. Quoi. On a un peu l'impression, de toute façon, qu'il y a des clins d'œil aux deux univers visuellement dans le trailer. Hein. Une espèce de rencontre avec un côté aussi peut-être Ito, vraiment corps malmené, qui est plus absent chez les deux. Ouais. Chez Satoshi Kon et Lynch. Le côté vraiment horrifique, graphique, monstrueux, voilà. Ça a l'air très très bien, c'est très joli. Ouais. C'est très joli malgré le fait que ce soit très, je vais pas dire l'opoli, mais ce côté très rétro quoi. C'est hyper fin. Ouais, puis il y a beaucoup de détails. C'est très détaillé. Ouais, ouais. Non, il n'y a pas de souci. C'est vraiment un parti pris pour le coup. J'avoue aussi que ce genre de gameplay dans le cadre horrifique, j'aime bien. Je peux même préférer éventuellement à la 3D, parce que la 3D, elle a le jumpscare un peu facile. Mm-hmm. Elle joue sur le vu et le non-vu, là on est dans des lieux ouverts où quand l'horreur se manifeste. On la voit venir d'une autre façon que je peux plus apprécier en fait, ouais. Qui prend moins le joueur en traître, sans perdre forcément son effet inquiétant, ou voire vraiment flippant. Mm-hmm. Donc j'aime bien vraiment qu'on ait ce visuel comme ça, vu de dessus. Alors pour pousser le trait naïf, on va dire, j'ai envie d'employer ce qualificatif pour décrire un peu ce style graphique, naïf, enfantin entre guillemets, on ne saura que vous conseiller la série avec Tachi des Yomawari, qui est vraiment pour le coup très kawaii, et qui, au niveau de la direction artistique au départ, ouais. Mais qui par contre t'en met plein la gueule en termes de... Dès qu'on passe dans l'horreur, on le sent passer. C'est ça, voilà. Albin ? En plus de la référence à Ito de Zaftig, peut-être qu'il y aurait un côté les trucs les plus voyants de la body horror de Cronenberg, genre Chromosome et compagnie. Ah ouais, enfin, tu vois ça. Il y a un moment où on voit à droite de l'écran une espèce de grosse créature qui pourrait ressembler aussi à la petite héroïne. Ça m'a rappelé la mère dans les derniers passages de Chromosome. J'ai à peine ça à rajouter à tout ce que vous avez dit. En fait, je suis assez fan, j'attends. Le côté, dialectique, mais c'est pas... Si, c'est ça. Mais l'intérieur a une répercussion avec l'extérieur a une répercussion avec l'intérieur.
à mon avis, peut être très intéressant à jouer, mais est-ce qu'ils ont vu ça d'un point de vue purement linéaire, je sais pas, ou est-ce qu'il y a des actions que tu peux ou pas faire Ah oui, réaliser par rapport à tes choix. Bah, voilà. Choix à conséquence, ouais. Là, pour le coup, ça serait peut-être encore plus intéressant, mais peut-être un peu trop ambitieux, j'en sais rien, mais j'attends de voir et j'attends de jouer parce que j'y jouerai. Enfin, après, comme dit, pour l'instant, c'est annoncé en 2003. Ouais, il n'y a pas de trimestre de 2023, pardon. Il n'y a pas de trimestre annoncé, hein, donc ça peut très bien être décembre 2023, tout comme janvier 2023, je ne sais pas. Mais à nous, vous avez remarqué qu'il n'y avait pas de body horror dans un jeu qui s'appelle Décarnation, c'est dommage, effectivement. Mais voilà, en tout cas, c'est une première proposition. Voilà. Ouais. En tout cas, c'était un premier trailer hein, que nous balance Shiro dans la gueule. Ils ont présenté beaucoup, beaucoup de jeux durant cet événement en ligne là, qui a eu lieu ces dernières semaines. Et effectivement, celui-ci nous avait pas mal tapé dans l'œil avec Tachi. Okay. Je n'ai rien d'autre à ajouter, je ne sais pas de votre côté. Ok. Eh bien, Tachi, on peut passer au trailer suivant, qui est encore très différent. Just got three new cadavers, and no one else can make it in right now. I was hoping you could come in and take care of them. I suffer no bondage but this rotting, weak, pathetic corpse. Look at me! Look at this pitiful flesh I am service to. But this body is no longer mine. I have my prize. Alors vous avez vu, c'est marrant parce que bah, du coup la petite vignette c'est pour annoncer la date de sortie. C'est un jeu qui sort tout bientôt, ça sort le 2 août 2022. Ça s'appelle The Mortuary Assistant. Et du coup c'est développé par Darkstone Digital qui a bossé sur des jeux que je ne connais pas, hein, mais je vous donne des noms comme ça, War Secret Below, Coat et The Subject. C'est édité par Dread XP, eux par contre on les connaît bien puisque eh bien, du coup Dread XP édite énormément de jeux sur Steam, mais... J'ai isolé comme ça, vite fait, Salt and Sanctuary et 5 otards que je vous avais présenté il y a 15 jours. Ah oui! Ce point and click croate, voilà. Le truc avec. Merde, les trucs. Enfin, genre où les scènes body, justement, horror sont en gros plan, genre oui, avec le mec tout à fait. Qui a un masque de chat. Tout à fait. Ça sort sur Steam pour l'instant et pas d'autres supports annoncés. Le 2 août 2022, comme dit, il y a. D'ores et déjà une démo qui est disponible, vous pouvez ouvrir votre client Steam et aller la télécharger. Et donc du coup, Mortuary Assistant, puisque effectivement vous allez jouer un stagiaire thanatopracteur. Vous êtes donc un jeune apprenti qui bosse à la morgue, on va vous demander de respecter les corps et d'apprendre à travers les livres les techniques d'embaumement. Donc je pense que le jeu se veut assez réaliste sur ces passages-là. Effectivement on touche déjà à un sujet, même pas besoin de rajouter des fantômes ou quoi que ce soit, qui pourrait déjà rebuter certaines personnes qui ont des problèmes avec le fait de manipuler des cadavres. Cependant, si j'ai bien compris ce que Tachi m'a dit, il existe actuellement, en tout cas en annonce, une simulation de Thanatopracteur. Donc celui-ci c'est la même chose mais avec une couche horrifique par-dessus. Il y a Mea qui pensait que c'était le Autopsy Simulator. Ouais tout à fait. Du coup il y a plein d'histoires et de légendes et surtout de secrets de famille qui se passent dans ce petit monde de la morgue, puisque en fait on officie dans un village, en tout cas dans une petite ville, donc effectivement les morts ont des secrets. Et il va y avoir des choses à mettre en avant, puisque ce qui apparaît à l'écran en guise de fantôme et autres secrets, ce sont les secrets des morts. Un soir, du coup, le personnage qu'on incarne est appelé d'urgence par une nuit d'orage, comme on peut le voir, puisqu'on a tous les tropes de l'horreur traditionnelle. Et donc, du coup, tu pars bosser en pleine nuit, et tu ne peux plus sortir de ta morgue. Du coup,
les légendes disaient vrai, il y a bien un truc maudit qui traîne. Et donc du coup, bah, il va falloir trouver comment sortir de la morgue en écoutant les manifestations spirites et en réussissant des tâches de thanatopracteur pour exorciser, en quelque sorte, ses corps. Moi, j'y vois dans ce trailer beaucoup de choses. J'y vois notamment une voix extrêmement grave qui pourrait très bien être la voix de Hellblade Senua's Sacrifice. Ça me fait beaucoup penser à la version démoniaque de Senua, en tout cas cette voix qui lui parle très souvent et qui lui fait des injonctions sur son attitude. J'y vois du American Horror Story, notamment l'espèce de créature qui est en haut d'un placard et qui se déplace. T'as filmé, on dirait de la pâte à modeler, oui, puisque en fait c'est très saccadé. J'y vois énormément de choses. Je ne sais pas quoi en penser. J'ai l'impression qu'en fait il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent moins bien. On est sur un concept de checklist, comme on a pu voir. Ça, c'est complètement du G-horror là, ce cadavre. Voilà, ça c'est American Horror Story pour moi, ce qu'on vient de voir là. Donc voilà, il y a des messages qui apparaissent, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est un jeu à checklist, un peu comme je sais pas si vous avez joué à PC Building Simulator ou Car Mechanic Simulator ou ce genre de truc. C'est précisément cette façon de faire. On va vous dire change les pneus et clac clac, il va y avoir quatre étapes, il va falloir les valider. Dès qu'on regarde son petit clipboard, hop, il y a des checkings dessus. J'ai l'impression que c'est vraiment le même genre de délire, si ce n'est que on va être empêché systématiquement par des manifestations de type paranormal qui ne vous veulent pas du bien. Albin, est-ce que ça t'inspire quelque chose? Attends, est-ce que j'avais oublié de... Je vais pas être d'accord avec toi. D'accord. En fait, ça m'intéresse pas du tout. Bah, très bien. Mais tu as parfaitement le droit. Je trouve ça d'une facilité. Enfin, peut-être que les opérations, à la limite, le jeu en lui-même est peut-être très intéressant, mais je trouve que les effets horrifiques sont complètement gratuits et faciles. Enfin, le côté coupe-toi la gorge, Dieu t'a abandonné, ce genre de truc. Evil Head, qui était un film suédois, on avait fait la caricature pure en fait, dans les années 90. En plus, c'est très edgy. Déjà caricatural il y a 40 ans. Oui, c'est très edgy, hein. Ça on est d'accord. Mais, pour une simulation de ça, on dirait Red Pyramid, bref. Ouais. Pour une simulation de thanatopraxie, ça pourrait être intéressant, mais s'il y a l'équivalent en peut-être plus sérieux... Oui, c'est l'autre jeu. C'est l'autre jeu. Bah voilà, j'irais plus vers l'autre jeu, en fait, parce que le côté horrifique ne m'intéresse pas du tout, pour le coup. Ça fatigue ? Je suis parfaitement d'accord avec Alban, pour le coup. C'est-à-dire, une simulation d'employés de morgue comme ça, ça peut être potentiellement hyper intéressant. Je pense que c'est un métier assez incroyable. Je l'ai fait IRL, c'était rigolo. Oui. Voilà, non, mais t'étais pas thanatopracteur pour le moment. Non, mais j'ai fait une séance de nature, je rappelle. Même qu'elle a été décalée parce que le premier mec que je devais thanatopraxie était tout violé. Oui, c'est vrai. C'est un métier que je trouve assez fascinant, mais dans le bon sens. Hein, parce qu'il y a vraiment. Voilà. Je trouve que c'est une pratique assez noble, on va dire. Ouais. Et respectueuse. Et après pour le reste, voilà, Dieu t'a abandonné. C'est là que j'ai réagi en voyant, en découvrant le trailer, ça m'a fait rire. C'est du edgy adolescent un peu dépassé. Les propositions horrifiques. Je me suis dit, ça peut être potentiellement intéressant si on doit prendre en charge plusieurs corps. Et qu'à chaque corps est associé un récit. En fait, je pense que c'est ça. Avec un dispositif narratif qui va autour, et que du coup, l'histoire, chaque phase de jeu horrifique est une sorte de chapitre qui est associé à une personnalité, à son histoire, etc. Moi, c'est en tout cas de ce que je comprends du jeu, parce que évidemment, je n'y ai pas joué. Hein. Et ceux qui seront à même d'y jouer, peut-être vous nous renseignerez. Moi, c'est ce que je comprends en tout cas. Que vraiment, le truc insiste sur. Les secrets de famille, les légendes, les trucs, les machins. Pour moi, c'est vraiment, il va falloir démêler, tu vois, certains trucs. Et une proposition narrative à chaque corps qu'on reçoit. Ça, je peux trouver ça intéressant s'il y a une proposition esthétique, mettons, avec chaque corps, etc., et narrative. Bon, on peut éventuellement se laisser porter par ça et trouver un intérêt. Mais c'est vrai que quand je revois les trucs, les messages, tranche-toi la gorge et compagnie, je me dis, ouais, c'est pas... Ça a pas l'air subtil quand même, hein. Ça a l'air un peu...
Ouais. Voilà. Par contre, si vous aimez les caricatures de trucs pas subtils, je vous recommande Evil Head, pas Dead Head, de 1995. Et là, c'est une caricature de tous les trucs pas subtils, en 1h30. D'accord. Et ça tiendra de ça, mais en plus rigolo, parce que c'est une caricature voulue. Ok, okay, bah voilà pour ce jeu, dont j'ai déjà oublié le nom, oui, The Mortuary Assistant. Tout à fait. Voilà, vous pouvez aller choper une démo. Rien que ça, en fait. On pourrait, nous aussi, aller choper une démo, voir ce que ça propose. Bah oui, tout voilà. Très bien. On passe au trailer suivant. On passe à la suite ? Ouais. Très bien, alors encore une proposition très différente. J'ai vraiment essayé de faire aujourd'hui une proposition à chaque trailer. Donc un jeu qui a attiré l'attention de Albin, mais je vais revenir vers lui après, puisqu'il s'est penché en avant, vous savez, comme quand on passe dans cette configuration de jeu, en mode « le jeu me résiste, je vais lui péter la gueule ». Donc la configuration que nous qualifierons de « joueur intéressé ». Donc... C'est un jeu de Jesse Makonnen, et quand j'ai regardé le trailer la première fois, parce que je vous avoue que je l'ai découvert il y a deux jours, je me suis dit, putain, c'est marrant, ça me rappelle Distrained. Distrained que j'avais adoré, il y a eu un 2 que je n'ai pas fait. Et du coup, j'ai regardé qui était Jesse Makonnen, il se trouve que Jesse Makonnen est le mec qui a développé Distrained. Et qui a développé aussi un jeu, qui est son premier jeu, je pense, que j'avais adoré aussi à l'époque, j'ignorais que c'était lui qui l'avait fait, qui s'appelait Silence of the Sleep, qui était un jeu très très bon aussi. Et qui est toujours sur des configurations 2D comme ça, avec des directions artistiques très personnelles, j'ai envie de dire. On pourrait aussi y voir du... comment s'appelait ce jeu ? Il y a eu Claire, et avant il y a eu... Le mec avec... avec le masque, ouais. Et il y a eu le remake de Silent Hill 2. Et le démake de Silent Hill 2, effectivement. Je ne sais plus comment s'appelait ce jeu, mais bon bref, on peut y voir ce genre de choses. Donc Jesse Makonnen, qui est un auteur indépendant finlandais, ou finnois, je ne sais pas comment on dit. Je crois que les deux sont acceptés. Oui. Qui édite et développe son jeu tout seul, hein, comme un grand. D'ailleurs, je vous parlais de Distrained. Je vous conseille de faire Distrained. Et vu que c'est les soldes de Steam, en général, Distrained qui tombe à 1,20€, un truc comme ça. Enfin, pas plus de 2€ en tout cas. Donc, je vous conseille clairement d'aller jeter un œil à ce jeu où on joue un précepteur des impôts. Et donc il y a beaucoup de choix moraux à faire dans cette simulation de précepteur des impôts, qui est pareil, un 2D side-scroller. Hein. 43 centimes, voilà, Distrained. Puisqu'il y a le 2, du coup, qui est sorti. Et, voilà. Oui, un percepteur, effectivement. Du coup, le jeu sortira sur Steam le 15 mars 2023, comme il est dit dans ce trailer. Donc on a encore pas mal de temps avant de le voir arriver. Jesse Makonnen a un accord de Steam pour la sortie. Il souhaiterait également le sortir sur Good Old Games et Epic Game Store. Pour l'instant, les accords ne sont pas signés. Et en général, sortir un jeu sur Steam veut dire ne pas sortir un jeu sur Epic, ou l'inverse en tout cas. Enfin, j'ai toujours l'impression qu'il y a cette guéguerre entre les deux launchers. Bref, ce que je peux vous dire sur ce jeu, c'est que nous jouons ce personnage qui se réveille dans une maison hantée dans laquelle... Attention, c'est assez drôle, je trouve, comme postulat. Se réveille dans cette maison hantée dans laquelle des fantômes organisent une réception, une soirée. Et. Pardon ? La petite fiesta, là ? Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, on est dans ce manoir où il va se passer une réunion de fantômes. Voilà. On est prisonnier d'un rêve lucide, c'est ce que nous dit le jeu, donc on est entre réalité et rêve. Et on est invité à comprendre ce qui se passe ici et pourquoi on est ici, puisque évidemment on est sur le trope du personnage amnésique à travers des puzzles, des énigmes et surtout un gros choix de dialogue avec les différents protagonistes fantomatiques que l'on va rencontrer. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est l'utilisation de cette spirit camera qu'on peut voir là sur
sur l'écran. Donc il y a une caméra effectivement qui peut révéler des objets qui permettent de progresser dans les dialogues et les énigmes. Voilà, j'ai l'impression que cette année, hein, en 2022, on a beaucoup de jeux qui utilisent le dispositif caméra, enfin caméra appareil photo, autant pour moi. Caméra, c'est vraiment le mot anglais. Mais voilà, on a pas mal de ce genre de trucs. Et le dernier truc que j'ai noté sur mes notes, c'est que c'est super beau. Voilà. Albin ? Je sais que t'es moins fan aussi de cette série, mais ça m'a rappelé Dawnfall. J'avais pas mis le bon écran. Ah, d'accord. Ça m'a rappelé Dawnfall, le deuxième Cat Lady. Oui, oui. Mais... C'est vrai que Cat Lady est un peu. C'est lui qui l'orscale. Mais donc là aussi, il y a une histoire de fête bizarre dans un hôtel, enfin dans un manoir bizarre lui aussi. Je me rappelle plus de son premier jeu Silent of the Sleep. Voilà, là aussi, il y avait une réception avec des fantômes, plus ou moins. On était dans une ambiance plus jazz rétro noir, alors que là, pas du tout, et dans Detroit, complètement pas. Hein. Mais non, ça c'est parfait. C'est bien, c'est très bien. J'espère juste, parce que là il y a des scènes un peu aventure et compagnie, un peu point and click, que ça sera pas trop un jeu à puzzle comme on peut en voir à un certain moment où il y a des, vous savez, des espèces de cycles à faire tourner, des trucs comme ça. Parce que... Ah ouais, du taquin. Ouais. Du taquin. Non, mais c'est, il y a un public. Pour ça, et je le respecte, mais Myst, c'est bon, moi je les ai suffisamment fait dans ma vie, en fait. Donc, mais dit comme ça, fait comme ça, moi je suis preneur, quoi. Je suis juste preneur. La vision, là, sur l'écran en 2D, avec l'espèce de tête qui s'approche, oui, là, c'est très bien, ça. Je trouve ça incroyable. Ouais, c'est très bien, ça. Ouais, tout à fait. Mais voilà, Zafti. Je te rejoins sur l'appréhension du côté puzzle, déverrouillage, machin. C'est vraiment des mécaniques qui me sortent du jeu considérablement. Tu peux dire qu'il me gonfle, hein. J'ai senti que t'allais dire qu'il me gonfle. J'allais continuer ma phrase en disant voilà, ça me gonfle. Je trouve que c'est vraiment une façon de t'arrêter dans le jeu pour te faire faire des trucs chiants. Voilà, c'est vraiment un mécanisme que je trouve très artificiel. Et qu'on le repense pas assez pour faire une vraie proposition de gameplay. Parce qu'en plus, c'est des choses qu'on a déjà faites 1000 fois dans 1000 jeux. Donc, et narrativement, je trouve que c'est souvent très incohérent. C'est vraiment purement du puzzle game pour faire du puzzle game. C'est comme la lecture de documents, effectivement. Ouais, ça me sort du truc, en fait. Ouais. Donc, je serais un poil plus sévère pour le reste. C'est-à-dire que ce type de jeu en 2D... dont tu as rappelé quelques exemples, j'en ai fait beaucoup, au point que j'ai réalisé qu'au bout de 20% de ces jeux-là, j'avais plus envie de continuer, en fait. D'accord. Je les ai abandonnés très vite en cours de route parce que c'était toujours les mêmes propositions. À voir. Il y a des choses qui me plaisent, là, visuellement, il y a des choses où je me dis, encore. Après, en général, ce qui est bien avec les œuvres de Jesse McCodin, c'est que c'est pas long. Moi, le premier Distrange, je l'avais fait même en stream sur la chaîne Arm of 01, il y a quelques années. Et du coup, je l'avais fait quoi, en 2h30, 3h, quoi. Donc, je veux dire, on peut... Enfin, sur une proposition courte, c'est cool, quoi. Voilà. Après, effectivement, j'ai jamais fini Claire, j'ai jamais fini ce genre de jeu, parce que, pour le coup, je les trouve beaucoup trop longs. Et dès que je m'arrête, je sais plus où j'en suis. Ouais. Parce que, en fait, il y a vraiment cette... idée d'espace brisé quand on est sur un 2D side-scroller comme ça. J'ai vraiment beaucoup de mal à me repérer dans l'espace dès qu'on repasse sur des espaces 2D où, en fait, quand on passe une porte, on est dans une pièce en profondeur par rapport au truc précédent et tout. Mais ça, c'est peut-être mon cerveau qui est pas adapté au truc, hein, mais j'arrive pas à me figurer l'espace. J'ai pas eu du tout le problème avec Neverending Nightmare, parce que sur Neverending Nightmare, on était sur des hauts et des bas. Mais là, en fait, vraiment, cette idée de... On passe une porte, hop, en fait, on est dans la salle là-bas, et puis en fait, on continue sur la droite. Puis on repasse une porte, il nous fait aller sur une troisième strate de profondeur, et ainsi de suite. Je sais pas où je suis dans l'espace, en fait. Moi, c'est ça qui me pose problème avec ces propositions 2D, quoi. Le problème, c'est que tu dis que tu espères que ce sera court, mais justement, je te rappelle que Zaftig et moi, on espère que les puzzles ne soient pas trop nombreux, parce que ça, histoire de gonfler une durée de vie, c'est quand même pas mal. Tout à fait. Après, c'est la première fois qu'ils proposent aussi un gameplay avec ce,
avec un artifice, j'ai envie de dire, et ce système de caméra. Moi, je veux bien laisser la chance à ce truc-là. Peut-être que ça va vraiment dynamiser le jeu et revaloriser aussi la narration à travers les dialogues, ainsi de suite. Je ne sais pas, en tout cas. Voilà, ça s'appelle After Dreams. Et ça sort en mars 2023. On peut passer au trailer suivant, qui est une spéciale dédicace à l'ami Albin. Ah, et let's go. Humans interfacing with computers for their own entertainment. The very notion disgusts me. Look upon my works, foul creatures, and weep at its magnificence. It is a beautiful day on Citadel Station. Humanity is on the verge of a new era. I, Shodan, am its new god. Look at you, hacker. A pathetic creature of meat and bone. How can you challenge a perfect, immortal machine? You are an insect. You are nothing. I create. I iterate. I fuse flesh and steel into perfection. My children, hacker, their blood is on your hands. You will suffer for your transgressions. Transgressions. These are my avenging angels, and they will have retribution. Peggy 8. Ah là là, alors System Shock, évidemment, que je vais laisser la parole à Albin, puisque on est dans sa zone de confort. Ceci dit, non, dans ta zone de confort. Voilà, System Shock, évidemment, il a fait parler de lui, je l'ai mis dans cette sélection parce que c'est encore une proposition différente, et je me suis dit, oh, il y a 15 jours, ils sont mangés plein d'horreurs dans l'espace, il faut quand même en mettre un. Mais non, voilà, System Shock, en fait, est fait du même matériau que Deus Ex, premier du nom, c'est-à-dire que ce sont une série de jeux, de vieilles séries de jeux qui sont à l'origine de tout ce qu'on joue aujourd'hui. Du coup, moi, ce sont des jeux que je n'ai pas fait. Je savais qu'il y avait un travail sur le retour de System Shock. J'attendais précisément, comme des jeux comme Pathology et ce genre de jeux, des remakes précisément pour les faire, parce que je pense que jouer à System Shock 1 aujourd'hui, c'est absolument dégueulasse. Tout comme jouer à Deus Ex aujourd'hui, c'est absolument dégueulasse. Le premier, j'entends, hein, Deus Ex, juste de. Voilà. Évidemment, hein, Zoidberg nous dit Sif aussi. Alors, c'est marrant que tu dis Sif, puisque à ma droite, il y a Zaftig, qui est un gros fan de tous les Black. Non, comment ça s'appelle, Dark Project. Mm-hmm. Voilà, il connaît très très bien la série. Sans System Shock, évidemment, pas de BioShock. D'ailleurs, le nom BioShock n'est pas. Choisi au hasard. Donc System Shock, c'est développé, pour les infos de base, par Night Dive Studio. Night Dive Studio, qui au départ est un petit studio indépendant, qui a eu bien du mal à faire ce jeu, et du coup ils ont décidé de rendre les armes et de se laisser acheter par Prime Matter. Donc maintenant Night Dive Studio est une branche de Prime Matter qui appartient en fait à Koch Media, hein, qui est littéralement en fait le un des studios de Koch Media. Donc quand vous allez sur la page d'édition de Prime Matter, vous voyez que ce sont entre autres eux qui ont édité Outward, Kingdom Come, Pathfinder, et un jeu que je vous ai présenté il y a quelques temps qui s'appelle The Chant. Voilà. Souvenez-vous, ce jeu dans une secte. Ah oui, oui, tout à fait. Voilà. Ça sortira sur Steam, sur GOG, sur Epic, sur PS4 et sur Xbox One. Ce qui est marrant, c'est que donc la PS5 et les séries de chez Microsoft ne sont pas citées. Pourtant, on a un bien beau jeu ici, donc est-ce que ça tournera, oui ou non? Il n'y a évidemment pas de date, ça nous a été demandé dans le chat, toujours pas de date. Il revient de loin, ce System Shock, il revient de très très loin, puisqu'il avait été annoncé au départ en novembre 2015. Il y avait eu un petit teaser, les gens s'étaient enjaillés dessus. Il y a eu ensuite une campagne Kickstarter qui a
excessivement bien marché. Je ne sais pas de combien de pourcentage ils ont dépassé leur objectif, mais c'est ahurissant. Du coup, les développeurs qui ont eu tout cet argent se sont dit, on va faire un truc incroyable, c'est qu'on va pas refaire un remake, tout simple. On va pas faire un portage. On va faire un nouveau jeu qui s'appellera System Shock. Sauf que, à cette annonce, tous les gens qui avaient donné ce Kickstarter ont demandé des refunds, puisqu'ils ne voulaient absolument pas un nouveau jeu, ils voulaient un remake de System Shock. Donc ça a beaucoup gueulé. Donc les développeurs étaient un peu dans la tourmente, ils se sont dit stop, on arrête tout, ils ont appuyé sur le bouton pause, ils ont attendu. Puis ils ont réfléchi, puis ils se sont dit on va s'associer à Prime Matter pour avoir un éditeur derrière qui va assurer aussi la charge mentale et la charge technique, et on va le faire, ce putain de remake. Donc ils sont partis effectivement sur un remake, avec des choses que je trouve moi extrêmement, pertinentes, qu'on avait vu un petit peu déjà aussi dans le remake de Shadow Master, dans Shadow Warrior, pardon, c'est qu'il y a des assets du vieux jeu, comme vous pouvez le voir, les éclairs par exemple, où on voit, je crois, il y a une texture au sol. C'est vraiment l'asset graphique du premier System Shock des années 90. C'est pas une énigme. Il y a pas une énigme avec justement le premier asset. Je sais plus, mais voilà, on peut voir effectivement ce mélange de 3D et ce mélange de vieille 3D des années 90 de jeux PC. Et je trouve ça ultra pertinent. Et puis cette voix incessante et obsédante qu'est l'IA de System Shock, mais plutôt de System Shock 2. Il y a des rumeurs d'ailleurs qui diraient que System Shock 2 serait livré en même temps que System Shock, voire que System Shock 2 en fait ne serait pas remaké, mais serait adapté au casque de réalité virtuelle. Oui, mais ce sont des rumeurs tout ça. En attendant, ce que j'avais marqué en plus sur ma feuille de notes, c'était Albin. Voilà. Albin, il faut être sûr maintenant. Donc, non, l'intelligence artificielle, je ne sais plus comment elle s'appelait, Shokan ou Shadowkan ou je ne sais plus trop quoi, elle apparaît déjà dans le 1. Je suis content. Ce jeu, ce remake, je l'attends depuis 2015, tu l'as dit. Ouais. Juste pour te reprendre, c'est plus facile. C'est difficile quand même, mais c'est plus facile de jouer à Deus Ex qui doit dater de 99-2000 que le premier System Shock qui doit dater de 91-92. Alors sur PC peut-être, parce que moi le problème c'est que ma version de Deus Ex est une version PlayStation 2, donc c'est absolument dégueulasse. Non mais c'est encore pire hein, sur PC. D'accord. Et le premier, je crois qu'il doit, enfin ça a été réalisé et développé par Origin, qui est une boîte qui a été complètement fondue dans Electronic Arts, si mes souvenirs sont bons. Okay. Et qui était à la base ceux qui faisaient les Ultima, là pour le coup c'est relativement connu. Quoi dire de System Shock? C'est donc une intelligence artificielle qui prend possession d'une base stellaire, et vous êtes au milieu de tout ça, et c'était très bien, et d'ailleurs ça le restera. Donc voilà, il y a des scènes aussi qui m'ont intéressé, parce que ça me rappelle les premiers, voire le deuxième System Shock, qui sont dans une espèce de matrice. Et qui sont aussi jouables, donc les passages un peu psychédéliques, un peu bizarres de la démo, c'est ceux qui sont probablement dans la matrice. Sinon, quoi dire, ça a fait effet en 92, le problème c'est que c'était un gameplay qui était très... Alors 94 on dit. 94 ouais, ouais. Je crois même que c'est un peu avant, mais bon, sûrement. Non, c'était les couvertures de Tilt. Tilt, c'était mort après 80 ans. Enfin, après 80 ans. Albin. Oh, bon, bref. mais je sais pas si ça peut. Enfin, si le gameplay ou si le genre de gameplay peut encore marcher aujourd'hui. Putain, moi, ça me fait vraiment. Moi, ça me fait vraiment méga envie. Hein. Mais moi, ça me donne aussi envie. Mais est-ce que c'est pas mon côté nostalgique? Je suis content parce qu'ils ont gardé. Enfin, ils sont nettement plus beaux qu'à l'époque, mais le chara-design des espèces de droïdes, de nécroïdes ou je sais pas trop quoi, c'est à peu près le même. Pour répondre à ta question, est-ce que c'est ton côté nostalgique? Moi, je n'ai jamais fait aucun System Shock et ça me fait très envie. Ça a l'air très riche comme jeu en fait. Ouais, mais il y avait une proposition vraiment, et puis chaque objet était utilisé, enfin quasiment, enfin à l'époque, il y a beaucoup d'objets étaient utilisables, prenables, et je me rappelle qu'il y avait des menus déroulants, ce qui était beaucoup plus facile à la souris d'ailleurs. Enfin, ouais. Je vois pas trop comment ça peut être fait aujourd'hui. Alors j'ai dit une bêtise, bon. Hein, parce que le jeu, du coup, je vous ai dit qu'il était annoncé sur PS4 et Xbox One. Ceci dit, à la fin du trailer, il y a le logo PS5 et Series, hein, donc. Mais. Contrairement à l'été, tout non. Ouais. Mais donc, dans l'ensemble, vous l'aurez compris, je crois que je suis content. C'est peut-être pour ça que Ben. Désolé. Que Armand oui, dit que c'était pour moi. Bah, bien sûr. Mais oui, donc c'est pour moi, oui. Mais après, est-ce que c'est pour vous? J'en sais rien.
Mais probablement. Il y a bien 2-3 personnes dans le monde qui seront contents aussi. Ouais. Non, ça a l'air d'être pas du foutage de gueule de ouf en fait. Ça a l'air vraiment d'être hyper refondé. Et ça a l'air d'être le même jeu, mais c'est un nouveau jeu en même temps. Vraiment quoi. Oui, Albin va vomir, effectivement. Ouais, tout à fait. Zaftig, toi tu l'as peut-être fait. J'avais noté Albin parce que c'est dans ses cordes cyberpunk horreur spatiale, mais peut-être que c'est ta cam aussi, après tout. J'ai fait les deux System Shock. Le premier, difficilement, parce que techniquement, il est très difficile à faire tourner aujourd'hui. Je m'étais vraiment accroché sur mon ordi pour arriver à faire tourner. J'avais plutôt bien aimé, j'avais même plutôt eu peur, on va dire. Je trouvais que c'était des jeux qui pouvaient facilement être flippants, rien qu'avec les ennemis de base, on était sur des trucs un peu menaçants. En plus, je me souviens qu'ils poussaient des cris, enfin, il y avait tout un environnement. Les ennemis ou ton personnage? Les deux, je pense. Les ennemis. Je trouvais que le jeu était vraiment très hostile. On sentait vraiment l'hostilité des ennemis, même si c'était très rudimentaire. Et puis bon, on est effectivement sur les fondations de Deus Ex et de Thief, donc on est vraiment sur des mécaniques... Ouais, c'est de l'immersive film, quoi. Ouais, on n'est pas encore dans la pure infiltration, on n'est pas dans... c'est vrai que... on est sur vraiment les prémices de gameplay des années 2000, qui allait vraiment s'épanouir dans les années 2000. Alors peut-être que tu es en train de dire, va convaincre mon couple, qui dit, perso ça me parle pas du tout, au risque de me faire suriner, bien sûr que non mon truc. De loin comme ça lui fait penser à un Far Cry Blood Dragon dans l'espace. Bah tout dépend de si on a le référent System Shock original en fait, je pense. Ouais. Parce qu'on peut y greffer des choses. Non, c'est très injuste, hein, je pense, la comparaison à Blood Dragon, qui était une blague avec un gameplay minimalisé. System Shock, c'était vraiment une proposition et d'univers et de gameplay qui était vraiment très très forte à l'époque où les jeux sont sortis. Ça, c'est moins évident quand on voit une version moderne, parce qu'on a 30 ans de jeux qui ont repris ces fondations-là depuis, donc effectivement... C'est ça, c'est vraiment à l'origine de ce à quoi on joue aujourd'hui. Hein. Sans System Shock, on perd vraiment un chaînon, en fait, de ce que sont devenus les jeux, déjà, parce que c'était du jeu à la première personne, avec des éléments de gameplay qui n'étaient pas si fréquents que ça à l'époque. Après, il y a aussi peut-être, excuse-moi de t'interrompre, la façon dont est monté le trailer, qui est très vénère, hein, parce que Mokchouk, tu dis le côté immersive sim, ça m'empêche de vraiment le mettre à la poubelle de mon esprit. J'ai envie de te dire, on va prendre Prey de Arkane. Si tu fais un trailer juste sur le gun, t'auras pas du tout compris l'essence de Prey, mais ni d'ailleurs de... Alors pour le coup, je prends Prey parce que c'est dans l'espace, mais on parlait tout à l'heure de la série Dark Project, Dishonored, qui est une série dont Zaftig est absolument fan, c'est l'essence même également des Dark Project. Et du coup, on pourrait faire un trailer full action sur Dishonored, mais ça ne... Enfin, voilà. Peut-être que le trailer, là, est beaucoup trop centré sur la baston et les explosions, quoi. Oui, parce que si le jeu reprend un peu l'ADN des jeux originaux, on va être sur des moments de solitude, on va être sur des moments un peu à la Metroid, hein, vraiment, où, certes, il y a de l'action, mais aussi des moments où le sentiment de solitude dans l'espace est aménagé, mis en scène... Voilà, après, il y a aussi tout ce référent à la matrice, qui est particulièrement développé dans System Shock 2. Est-ce que ça va être repris dans ce jeu, je pense, hein, que... Voilà, il y a des éléments, voilà, donc on était avant les films Matrix, on était avant tout ça, ça a apporté ça aussi dans l'imaginaire du jeu vidéo. Du coup, je suis un petit peu réservé sur... J'accueille hein, la proposition d'un System Shock en 2022, pourquoi pas. Je sais pas ce que ça va apporter, ce qui fait que System Shock est resté dans l'histoire du jeu vidéo, c'est que ça a apporté beaucoup, beaucoup de choses à l'époque. On s'en est pas rendu compte tout de suite, en plus, hein, il a vraiment fallu que... Bah pareil pour Deus Ex. Hein. Voilà, oui. Deus Ex est plus facilement... Peut-être parce que Brent Spector était déjà un grand nom, voilà quoi. Voilà, mais... System Shock, c'est Ian Storm. Oui. Ouais. Enfin, oui. Le 2. Oui, du coup, voilà, on est sur des équipes qui ensuite ont eu des projets qui ont été de plus grands succès et qui ont... Et rétroactivement, on est revenu à System Shock en disant « Ah ouais, les bases !» Si vous avez joué à Deus Ex Premier du Nom et que vous jouez à System Shock, il y a plein d'éléments que vous allez retrouver, en fait. Dans le gameplay, dans la présentation, dans l'organisation d'inventaire aussi, par exemple, ce genre de choses. Il y a plein de petites choses qui étaient mises en place dans System Shock et qu'on a retrouvées par la suite. Bon...
avoir. Bon, du coup, pour cette nouvelle version, je sais pas. Je sais pas si ça va être en mesure d'apporter quelque chose vraiment de nouveau. Je sais pas trop. Ou est-ce que ça va être un trip nostalgique qui va ravir les vieux de la vieille. Bah écoute, moi, qui ne l'ai pas fait, je te dis, ça me donne envie de le faire. Donc voilà, il y a peut-être aussi ce nouveau public qui était dans l'attente. Moi, par exemple, il y a vraiment, à titre d'exemple personnel, il y a plein de vieux jeux que je n'ai jamais fait. Deus Ex, premier du nom, je l'ai trouvé difficile visuellement et l'immersion n'était pas bonne sur ma version PS2, donc je me suis toujours dit, peut-être qu'un jour je ferai Deus Ex. System Shock faisait vraiment partie de ces jeux-là et faisait partie de notre listing. Dès qu'on a lancé l'émission Creepy as Shit au départ, on voulait parler System Shock avec Cramul, mais on n'arrivait pas à y jouer parce que justement, c'était, ça piquait un peu. Et je fais partie de ces gens qui n'ont jamais fait les Knights of the Old Republic de Star Wars. Et qui attendent évidemment cette promesse de remake pour pouvoir les faire, parce que je sais que ce sont des très bons jeux Star Wars et des très bons jeux. De rôle. Oui, BioWare. Non, mais je sais plus le nom de. BioWare. BioWare, voilà. C'est les fondations de BioWare, et je pense que évidemment, sans KOTOR, pas de Mass Effect. Mais voilà, moi ces propositions-là m'intéressent parce que j'ai l'impression que c'est comme si on me prenait par la main, qu'on me disait écoute, chérie, t'avais pas de PC dans les années 90, c'est pas grave, tu peux quand même faire les bons jeux maintenant. Voilà, et ça me fait vraiment plaisir, quoi. D'ailleurs, je parlais de Warren Spector, évidemment en parlant de Deus Ex ici. Je ne sais plus à quelle occasion Warren Spector est apparu pendant le Summer of Gaming. Tachi, je ne sais pas si tu t'en souviens, je ne sais pas si c'était à propos de ce System Shock. Peut-être qu'il y travaillerait, je ne sais pas s'il a un lien avec System Shock, Warren Spector. En tout cas, je sais que Warren Spector a parlé pendant le Summer of Gaming, mais je ne sais plus à propos de quoi. Bref, on va passer au trailer suivant. Ce trailer-là était... mon petit. Alors attends, Alban veut dire un truc. Pour une petite histoire, 92-94, je crois qu'on a tous les deux raisons, c'est juste la date de différent, enfin les deux dates. La première c'est la sortie disquette, la deuxième date c'est la sortie CD. Voilà. D'accord. Je crois que c'est juste ça. Alors j'avais mis ce trailer là évidemment parce que il est. Enfin, je voulais attirer l'attention là, sur le mec de System Shock. Mais effectivement, dans mes notes j'avais écrit Albin puisque je savais que c'était la petite cerise pour Albin. J'ai donc mis le trailer suivant parce que ça a l'air d'être génial, parce qu'avec Tachi ça nous a beaucoup plu. Mais c'est mon moment, Zaftig. Oh. Alors spoiler, le jeu suivant, je veux le manger tout de suite. Oui, mais c'est l'instant Zaftig. Allez. Ouais. Anyone here? Only anguish fills this residence, Benedict. I got a bad feeling about this. Since I found the first piece, there must be more. That's him, my father. I can guide you through his memories. Don't let your fright hold you back now. It is good to see you, you old devil. Alors, évidemment, je vous dirai après pourquoi, évidemment, je l'ai sélectionné pour Zaftig. Voilà, ce qui est, l'information importante, c'est que c'est une exclusivité de Microsoft que ce sera Day One dans le Game Pass. Encore un argument de taille pour vous abonner au Game Pass. C'est développé par Plot Twist, qui est un studio tout neuf, c'est leur premier jeu. Un studio basé en Pologne. C'est édité par Rogue Game Inc., dont je n'ai pas trouvé d'autres éditions pour l'instant. Donc, 2023 sur Xbox Series, Xbox One. PC Day One dans le Game Pass, inspiré évidemment de la littérature d'horreur du 19e et notamment par Howard Field Lovecraft, et il s'agit d'un Metroidvania, voilà. Et c'est toutes les infos que je peux vous en donner, mais Zaftig, que je me dis peut-être ça t'a ambiancé. Ouais. Je me dis, littérature du 19e horrifique, Metroidvania, normalement on est dans les clous. Bah, c'est la suite du coup, c'est ça. Bah...
ce qui me freine un petit peu, c'est la DA. Je suis pas hyper fan du style. Alors, c'est 100% pour moi Curse of the Dead Gods. Hein. Oui, oui. Avec du Ori, hein. Vraiment, il y a vraiment du Ori in the Blade Forest, hein, je trouve. Ça me fait aussi beaucoup penser à Train 4. Ah ! Visuellement. Ah oui. Ce qui est censé être un très bon point pour moi, parce que j'aime beaucoup. Hein. Je sais pas, il y a un truc que j'aime pas trop, c'est peut-être dans le character design, ou je sais pas comment. Bon. Mais cela dit, c'est cool. Hein. Ça qui s'est passé à Curse of the Dead Gods. C'est quand il est à genoux là qui fait bah, ouais, pas, et puis la gamme un peu de 2D 3D ouais, ouais. Y a pas que ça, hein. La gamme un peu mauve aussi violette tout ça, c'est cette gamme de couleurs. Cela dit, Metroidvania ok, inspiration Lovecraftienne ok, non c'est certainement très bien, c'est certainement un jeu que je ferai. Là, sa petite séquence d'intro, elle est très très jolie. Ouais. À voir. Non, je sais pas trop quoi en dire. On ne peut que spéculer pour l'instant, de toute façon. Hein. Oui, il n'y a pas de transition. C'est vraiment un premier trailer d'annonce. Voilà. Moi, je trouve effectivement que... alors, moi, graphiquement, ça me parle. Je trouve qu'il y a vraiment ce côté vieux manoir qui tombe voilà, dans les ténèbres. Il y a ce côté santé mentale, j'ai l'impression, chez le personnage. Moi, qui suis vraiment pas un fan de l'exploitation... des univers de Warcraft, notamment en jeu vidéo, j'ai l'impression là d'avoir quelque chose une utilisation assez facile, mais facile dans le bon sens. Pas ok, c'est marrant, on va mettre des tentacules et puis des grands anciens, le mec il va devenir fou. Non, non, au contraire, là j'ai l'impression voilà, que ce truc tentaculaire c'est très intéressant parce que ça en fait une séquence de course-poursuite, qu'il y a ce côté maudit du personnage, que ce délire des grands anciens, des momies, des trucs, des machins. Vraiment, je trouve que sur un jeu. D'aventure Metroidvania, ça fonctionne extrêmement bien. Et cette facilité, je. Bah voilà, enfin, non, en vrai, je trouve ça très cool. Voilà, il y a cette espèce de truc qui fait penser à Dagon, j'en sais rien. Bref. À toi, Albin, écoute, je n'en dirai pas plus. Écoute, tout à l'heure, j'ai parlé de Myst, ensuite de System Shock. Là, j'ai envie de parler de. Comment ça s'appelait ? House of Darkness ou un truc comme ça ? Earth of Darkness. Ouais, tu sais, le gamin avec son. Angie et son chien whisky. Ouais, oui, voilà. Earth of Darkness. Je sais pas, moi, de Eric Chahi, du coup. Ouais, ouais. Voilà. Ça me rappelle un petit côté platformer dans ces eaux-là, en plus graphiquement, enfin pas graphiquement, on est quand même 20 ans plus tard, donc c'est quand même plus beau. Mais je sais pas, il y a une ambiance que je trouve un peu similaire. J'ai aussi l'impression qu'il y a un côté psychonaute, dans le sens où tu vas dans l'esprit des gens, enfin j'ai l'impression. Ouais, c'est bien. Ce qui n'est pas déplaisant, hein, aller dans l'esprit des gens, je trouve que c'est très drôle en règle générale. Au contraire de ça, personne n'aimerait aller dans cet état-là. Je crois que ça tombe gratos. Je crois que Zaftig serait étonné en tout cas. Étonné, je sais pas, mais satisfait certainement. Mais non, ça a l'air chouette, ça a l'air super chouette. Graphiquement, j'aime vraiment, c'est un petit côté, je sais pas. Non, c'est un peu du Lovecraft Toon aussi. Oui, enfin, je sais pas. Moi, je trouve que ça marche quoi. C'est une bonne exploitation, je trouve, j'ai envie de dire des assets encore de Warfield Lovecraft. J'ai l'impression que le jeu se prend au sérieux, mais sans être premier degré. Quoi. Mm-hmm. C'est ça que j'aime beaucoup en fait. C'est genre, ok, on a un univers, on a un délire, on a un imaginaire collectif que tout le monde connaît. On n'a pas besoin de faire un truc full premier degré en mode oh là là, vous avez vu, c'est trop dark. Et ce côté Metroidvania rend le truc un peu cartoon aussi, quoi. Tu vois vraiment. Ouais, le fait que tu peux mourir. Enfin, il y a un truc qui fait que tu peux mourir sans trop de problèmes, quoi. Oui, puis même, je pense, enfin, vraiment. Plus Castlevania que Metroid, mais on rappelle que Castlevania c'est quand même un truc avec des chasseurs de vampires dans des endroits sordides avec des créatures dégueulasses. Alors, si on faisait un Castlevania avec le bestiaire en mode survival horror full premier degré, ce serait trop pas fun. Hein. En vrai, c'est le côté j'ai un fouet et je slash des ennemis à la chaîne en sautant sur des plateformes qui rend le truc très fun. Quoi. Voilà. Et là, je trouve que ça assume complètement ce truc-là. Quoi. Et puis peut-être... Je parle pour moi, hein, je crois que en tout cas il y a au moins une personne que je n'aimerais pas dans la salle qui est d'accord avec moi, mais les deux précédents trucs de Lovecraft auxquels j'ai joué, qui étaient Sinking City et donc l'appel de Cthulhu, Sinking City, moi ça m'avait moyen convaincu, et pour le coup on était dans un registre très sérieux quoi, donc, ouais. Donc finalement peut-être que je suis plus intéressé par Lovecraft quand il est peut-être un peu plus léger, il est pulp, quoi. Ouais. C'est peut-être ça. Hein, ouais, c'est vrai que c'est très pulp. Mais c'est, bah, normalement, Lovecraft c'est très pulp, hein, clairement, mais c'est ce que les gens n'en ont pas retenu. Quoi.
pour moi, aller dans des temples et chercher des momies maudites. Il n'y a pas que ça, il y a aussi entendre les rats dans les murs et devenir fou après. Mais, ouais. Mais là, ça, enfin, ça me plaît, là. C'est, je sais pas. Ouais. C'est bon pour vous ? Mm-hmm. Dernier trailer de la sélection qui était un coup de cœur visuel. Pour Albin, Tachi et moi, je pense et que... Sonore, visuel et sonore. Et sonore, ouais. Je voulais absolument finir sur ce trailer. Si vous l'avez manqué, c'est l'occasion de le rattraper. J'attire votre attention sur le prochain jeu. C'est tout de suite. Alors, Mileven n'a pas apprécié la bande-son, alors que moi, je pourrais l'écouter en boucle dans mon baladeur. Mais soit. Un jeu qui s'appelle Psychroma, ou pour ceux qui détestent l'accent anglais, Psychroma. Édité et développé par la seule et même équipe qui s'appelle Rocket Adrift, qui n'ont fait qu'un seul jeu auparavant. Retenez bien le titre, parce que ça a l'air aussi goldé comme jeu. Ça s'appelle Raptor Boyfriend, High School Romance. Voilà. Boyfriend, High School Romance, voilà. Oui. C'est disponible, enfin ce sera disponible sur Steam, Psychroma du coup. Pas de date annoncée, mais une estimation vers le troisième trimestre 2023. Écoutez, moi je. Voilà, ça a été présenté pendant le PC Game Show de ce Summer Game Fest. Albin était présent ce jour-là à la maison, je crois. Ça nous a stun quand on a vu la proposition visuelle et sonore, nous on a adoré. On est donc dans un univers cyberpunk. C'est un jeu narratif en 2D side-scroller, comme vous le voyez. Nous sommes dans une maison hantée, et la maison est hantée par des. Alors c'est très marrant, ce sont des fantômes cybernétiques, et la proposition est très intéressante je trouve. Notre personnage se retrouve coincé dans une sorte de boucle temporelle et ne peut pas sortir de son bâtiment, une espèce de bâtiment qu'on suppose sur plusieurs étages, vu qu'on est dans un délire cyberpunk, donc on doit sûrement être dans un espèce de HLM du futur. On a des fragments du passé qui pop, et donc du coup, ce qu'on peut voir à l'image là, voilà, ce sont des fragments du passé... des voisins de notre résidence et de nos colocataires. On joue Agatha, qui est un personnage non binaire. Hein. Le jeu insiste beaucoup sur, excusez-moi, je vais utiliser un gros mot, mais ça résumera bien la situation, sur le côté woke de son jeu, puisque du coup, voilà, on est complètement dans un jeu qui se revendique LGBTQ, A+, tout ce que vous voulez, agenré, non binaire, ainsi de suite. Et c'est vraisemblablement très important pour l'équipe de développement de s'inscrire dans cette mouvance. C'est un personnage qui est coincé dans sa maison parce que l'IA du bâtiment ne veut absolument pas la laisser sortir. Et du coup, elle est hantée par les traumas des autres résidents, comme je vous le disais. Le gameplay se base sur la narration, mais également sur un système de jeu de tarot. Jeu de tarot qui correspond à des épisodes traumatiques potentiels des autres résidents, et donc chaque carte de tarot nous permet de voyager à différents moments de la timeline du jeu. Et du coup, trouver les cartes de tarot et ou interagir avec elles va nous permettre de débloquer des nouvelles timelines qui finiront par nous faire réussir à sortir, et ce, grâce à plusieurs chemins narratifs. Je ne sais pas si le flowchart, du coup, sera... en dur, c'est-à-dire annoncer
comme je vous en parlais précédemment dans les jeux Zero Escape et ainsi de suite, on peut voir le flowchart avec les différents arcs narratifs qui nous permettent de voyager dans le temps et la timeline du jeu. Là, je ne sais pas si ce sera le cas, mais en tout cas, ce système de tarot, et puis cette ambiance graphique, cette ambiance visuelle, ce truc. Bref, moi je trouve qu'il y a quelque chose de ouf dans ce jeu. C'est une proposition que j'avais encore jamais vue. Zastik, qu'est-ce que ça t'évoque ? Observer en 2D. Observer en 2D, ouais. J'ai l'impression que c'est moins darkly quand même qu'Observer. C'est ce que ça m'a évoqué un petit peu au départ. Ouais. Et après, sans avoir besoin de convoquer d'autres noms en soi, ça, c'est une proposition assez originale. J'aime bien la proposition narrative. A du potentiel, graphiquement c'est assez stylé. Il y a plein de tout petits détails très mignons. Il y a une proposition d'univers quoi. C'est à voir. Je sais pas trop comment dire sans l'avoir pris en main parce que ouais. Ça a l'air assez particulier quand même. Avec ce grand sprite là, comme ça, qui se promène. Ouais, tout à fait. Elle prend beaucoup de place à l'écran. Ouais, c'est un peu étonnant. Du coup, au niveau du ressenti de jeu, je me demande un petit peu ce que ça donne. Mais ça a l'air assez sympa de s'y promener là, avec ce transfert de personnages qu'on vient de voir et tout, avec le miroir et tout. Je sais pas, je me dis, ça a l'air de proposer plein de petites choses en fait. Contrairement au jeu qu'on a vu tout à l'heure, je sais plus comment ça s'appelait. The Last Case of Benedict Fox. Non. The Mortuary Assistant. Ouais, Mortuary. Ouais. Non, le genre 2D. Le genre 2D où il y a des puzzles là. Ouais. After Dream. Décarnation. Non, After Dream de. After Dream, le mec qui avait. C'était le dernier. Le mec qui avait fait Distrant. Ouais. Oui, c'est ça, After Dream. Qui avait l'air de. Enfin, qui moi me faisait penser à plein de choses que j'avais déjà faites et je me disais, j'ai pas trop envie de remettre le couvert. Ouais. Là, c'est aussi un jeu en 2D dans un contexte. Bon, simili-horrifique, parce que ça paraît non plus extrêmement effrayant. Non, je pense que ce qui est effrayant, de toute façon, c'est le concept même, on va dire, géopolitique du cyberpunk. Déjà, de base, on est toujours dans des délires pas cool. Voilà, quoi. Voilà, bon, le... Mais bon, l'approche un petit peu potentiellement psychologique, tout ça, c'est... Je sais pas, ça a l'air intéressant. Ça a pas l'air trop non plus de compter, justement, sur des puzzles et des gimmicks de gameplay un peu artificiels. Ouais. Ça a l'air plus ancré dans le récit et les enjeux narratifs. Ça me parle, ça a l'air chouette. Albin ? Je suis un peu emmerdé parce que là j'ai presque envie d'en parler pendant une demi-heure. Donc on va faire la version courte. Ça a l'air bien, ça a l'air très bien. Je suis toujours aussi fan depuis la dernière fois. À mon avis, ça va parler d'identité. Ce que tu as dit sur le côté agenré. Oui, et l'insistance là-dessus. Voilà, mais en plus, l'identité par rapport aux souvenirs. Qu'est-ce qu'on fait des souvenirs par rapport du passé, par rapport à l'avenir, etc. etc. Sans rentrer dans un truc, est-ce que je suis humain ou est-ce que je suis cyborg, est-ce que je suis les deux, d'ailleurs le cyborg c'est l'humain et la machine, pour devenir autre chose, donc on est en plein dans un trip sur l'identité, donc ça veut dire que je vais écrire psycho, 10-15 pages dessus. Psycho, voilà. Psychroman, enfin oui, vraiment même le titre nous et amène 10-15 à... pages, ça veut dire en gros je pars pendant une demi-heure, donc je m'arrête là. Mais en tout cas, ça sera bien. Mais si tu écris quelque chose dessus, on sera ravis de le lire en tout cas. Eh ben c'est parti. Mais par contre, troisième trimestre de 2023. Il y a le temps. Ouais. On a le temps de mourir de chaleur d'ici là. Effectivement, mais là, il n'y a que des trucs bien à part le coroner chiant. Et bah écoute, en vrai, j'avais bien 11 jeux à vous montrer, mais j'ai décidé de faire une petite sélection. Okay. Je me suis dit, le coroner chiant, je sais pas. Genre, c'est aussi ça les jeux d'horreur, donc il fallait un représentant du Another First Person Horror Game. Horror 3D Game. Ouais, tout à fait. Je prends 30 secondes juste pour aller faire pipi. Mais c'est l'instant news et c'est Tachi qui s'en occupe aujourd'hui. Ouais, bah je vais t'attendre parce que je pense que le premier jeu que je vais te présenter va t'intéresser. Du coup, on va. Sachez qu'il y a plein de news sur Resident Evil. T'as dit quoi ? Il y a plein de news sur Resident Evil. Alors, en ce qui me concerne, je vais pas parler de Resident Evil, donc voilà. Non, pour le coup, moi ce que j'aimerais vous présenter, donc c'est deux jeux. Un qui est prévu pour avril 2024, donc on a le temps. C'est un jeu qui vient juste d'être. Le Kickstarter du jeu vient juste d'être lancé. Donc voilà, j'attends Armoff, donc je suis en train de meubler. Qu'est-ce que je peux vous raconter dessus sans... Parce qu'il faudrait que je vous montre le trailer en fait.
Ce que je peux faire déjà, c'est mettre l'écran de YouTube, mais j'ai pas envie de vous spoiler le nom du jeu. Donc je vais attendre Armof. Voilà. Ce que je peux vous dire sur le jeu, c'est que c'est un jeu qui est développé par un mec qui bosse avec un deuxième mec qui fait la musique, donc c'est un jeu qui est fait par deux mecs. Ils disent eux-mêmes que leur source d'inspiration c'est Hollow Knight et Mario Galaxy. Donc Hollow Knight, comme pour beaucoup de développeurs indépendants, et Mario Galaxy, bah vous verrez pourquoi. Et maintenant je vais arrêter de meubler parce que Armof est en train de revenir. Ou presque. Ou presque. Presque. Voilà, voilà, voilà. 10 secondes, dans 10 secondes. Je balance maintenant. Et bah écoutez, je vous balance le trailer. Et on revient juste après, comme on le fait en fait, on vous met la musique. Qui est prévu pour avril 2024. C'est mignon, c'est mignon. C'est mignon, c'est mignon. Il s'agit d'un jeu qui met en scène un fantôme qui du coup se trouve dans l'éternité et qui va essayer de s'élever, mais il va être empêché par des fantômes corrompus et va être aidé par une espèce de créature blanche qu'on a vue, dont j'ai oublié le nom parce que c'est le lore, elle a l'air hyper dense pour le coup. C'est où histoire? Je sais plus où est la section histoire. Mais là, voilà, il est aidé par un Eternian qui va du coup essayer de l'aider à s'élever pour ne pas qu'il devienne lui-même un fantôme corrompu. Et du coup, il y a plusieurs choses dans le gameplay. Donc il y a le fait de dasher comme ça, il y a le fait également de pouvoir envoyer des petites boulettes comme on peut le voir ici pour réussir à se défendre. Et enfin, il y a le fait de pouvoir hanter des objets. Donc pourquoi Mario Galaxy? Parce que bah, du coup, dans Mario Galaxy, vous pouvez utiliser. La casquette de Mario pour posséder... C'est Mario Odyssey que tu veux dire. Mario Odyssey, pardon, j'ai dit la merde. Donc oui, Mario Odyssey, effectivement. Vous pouvez posséder du coup des créatures pour pouvoir résoudre des énigmes. Et bien là, c'est un peu le même délire, vous pouvez posséder des objets pour résoudre des énigmes. Donc voilà, comme dit, le jeu est développé par un monsieur tout seul qui a décidé, pour faire des économies de budget, de faire un jeu bichromatique. Et voilà, avril 2024. Très bien. J'en profite avant que Tachi balance la prochaine news pour vous dire que je suis actuellement sur Kickstarter et Molochoir, le Metroidvania Survival Horror qui pouvait débloquer, voilà, n'a un financement non réussi, malheureusement, c'est fini. 88 contributeurs, 9 733 euros sur les 17 427 demandés. Fin de l'histoire. On va pas jouer à du beach volley horrifique. Non. Pour le coup, Anti donc, a effectivement un Kickstarter qui vient juste de se lancer. Actuellement, ils sont à 4 000 $ récupérés sur un objectif de 45 000 $. Donc, gros budget pour un petit jeu. Ouais. Le Kickstarter se termine dans une trentaine de jours.
Ouais. Donc ça me paraît très très short pour réussir à atteindre l'objectif. Mais voilà, en tout cas, on est sur un projet tout ou rien. Ce projet ne sera financé que si l'objectif de financement est atteint avant le samedi 23 juillet 2022. Donc pour une livraison prévue pour avril 2024. C'est et il se définit comme un jeu, comment on dit ça, un jeu d'aventure décalé et lofi. Ok. Voilà. Alors, Moncton, tu me dis, j'ai l'impression d'être passé à côté d'un truc par rapport à Molochoir. Ah, effectivement. Ben CF, les jambons cotons, pilote. Ouais, voilà. Mais je sais pas s'il est en ligne. Bah, pilote, c'est le premier épisode. Ah ouais? Sinon, j'étais là. Oui, enfin, officiellement premier épisode. Officiellement premier épisode. Je t'enverrai vers la VOD Moncton quand on te trouvera le timecode, si jamais. Mais en tout cas, voilà, c'était un projet qui est sorti. Je suis pas sûr d'avoir le pilote. Ah merde. Je crois que j'ai pas le pilote, j'ai que la partie de l'épisode 1. D'accord. Bon, en tout cas, voilà, c'était un projet Kickstarter de Metroidvania 2D qui faisait quelques promesses intéressantes. Et des promesses intéressantes du type, si on arrive à 35 000 euros de budget, vous débloquerez la version couleur du jeu avec un instant visual novel qui mettra en scène les ennemis de façon sexy pendant les vacances d'été à la plage. Et après, quand vous aurez fini ça, vous pourrez faire tout le jeu, qui était un jeu cyberpunk Metroidvania gay et sombre. Avec les maillots de bain, voilà. Donc on sentait qu'en fait la proposition du jeu était vraiment incroyablement pertinente et qu'ils étaient vraiment focus sur les bons paliers, quoi. Passé un certain seuil d'argent, ils refaisaient aussi le graphique de l'inventaire. Oui, ils refaisaient un inventaire, oui. C'est-à-dire que l'inventaire était... En fait, en gros, c'était le premier palier et ça disait, de façon sous-entendue, notre inventaire c'est de la merde. Si vous donnez de l'argent, on refait un inventaire qui est bien. Ouais. C'était quand même incroyable, quoi. Bah là, pour le coup, au niveau du Kickstarter de Anti, donc en gros, là, le jeu se fait sur 4 mondes. Il y a un premier palier qui a été atteint qui permet de débloquer le 5e monde. Et avec les paliers supplémentaires, ils pourront débloquer donc le 6e et le 7e monde. Donc en ayant un peu plus de sous, je suppose qu'ils auront davantage de budget, enfin, qu'il aura davantage de budget pour faire un jeu un peu plus long. Donc voilà, bah, en tout cas moi l'esthétique me plaît bien, je trouve la proposition mignonne, je sais pas, ça me plaît bien. Oui, c'est de l'aura mignonne, ça marche bien. C'est mignon. Ouais, cette histoire de petit fantôme qui peut hanter les trucs, ça me botte bien. Ouais, ouais. La news suivante, pour le coup, je le mets vraiment histoire de le mettre, on est chez Sega, et Sega a envie de proposer une nouvelle licence, toute nouvelle, toute neuve, on sait pas trop d'où ça sort. Je pense que vous l'avez vu passer, mais du coup, on va partir très très rapidement sur Yenaz, et on se retrouve juste après. Stop playing with the merch and move. Can't you see we're busy? Yes, very busy, darling. C'est peut-être la vision d'horreur de Sega, écoute. Hein. Pourquoi tu balances ce jeu-là alors que c'est pas du tout de l'horreur? Eh bien parce qu'au départ, ce jeu-là, c'était un projet donc, qui a été annoncé il y a un an de ça, si je dis pas de conneries, qui devait être donc un FPS horrifique. Voilà. Donc on est... Là maintenant on est sur un jeu... sur un FPS et plus sur de l'horreur. Là on est sur du jeu compétitif online, avec du loot à débloquer, des skills, ça se sent de ouf. Alors au niveau de l'histoire, donc on incarne une bande de braqueurs qui va en fait dévaliser les riches qui ont décidé de partir de la Terre. Et les riches vont embarquer avec eux toutes les choses qui ont fait que notre enfance a pu être cool. Donc les vieilles consoles, les BD, les comics, les mangas. Et du coup, eh ben, notre bande de braqueurs voleurs va aller voler toutes ces reliques-là du passé que nous on kiffait. Et voilà.
FPS horrifique, hein. Alors, j'ai l'impression... Alors, en vrai, j'ai l'impression de voir un jeu pensé par Ubisoft, développé par Gearbox. Voilà, j'ai l'impression de voir le côté cool, décalé de Borderlands, mais qui marche pas, avec les commerciaux de Ubisoft derrière qui disent « Vas-y, on va les faire raquer, on va mettre 2000 skins et ils vont acheter le porte-clés Sonic quand même, ça va trop le faire. » Voilà, vraiment... Vraiment merde, quoi. Ouais. Voilà, je dirais rien d'autre de plus, parce que de toute façon, il n'y a pas de date, il n'y a pas de gameplay, on sait pas si c'est un... On sait pas si c'est un jeu qui est payant, on sait pas si c'est un free-to-play, on sait pas, on sait rien en fait. C'est juste Sega qui a balancé ça, donc hier ou avant-hier, je sais plus. Non, merci. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Bah moi ce que je peux vous... Je vais... Alors j'ai pas d'image donc je vais faire des news très rapides. Dans les choses que j'ai pas mis effectivement. Sachez qu'il y a eu un trailer de gameplay de Texas Chainsaw Massacre, donc Massacre à la tronçonneuse. Peut-être que je vous mettrai dans 15 jours si j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer. Ça augure plutôt pas mal, donc jeu asymétrique dans lequel on peut jouer la famille des Texas Chainsaw, hein, enfin des voilà, la famille de tortionnaires, et puis les héros du premier film de Tobe Hooper. La map montrée, c'était la maison du film de 79 ainsi que ses environs. Moi j'ai trouvé ça plutôt cool, de ce que j'en ai vu. En tout cas, ça avait l'air assez fandard. Voilà pour Texas Chainsaw, je vous montrerai ça prochainement. Et je crois, oui, non, le deuxième truc que je voulais mettre, peut-être que c'est Zaftik qui en parlera le mieux. Sachez qu'il y a une version console qui arrive très prochainement pour les consoles de Microsoft et les consoles de chez Sony pour Dread Out 2, ce jeu coréen inspiré du folklore horrifique asiatique. Tu m'avais offert le premier Zaftik, mm-hmm. que je crois que j'ai même pas fini. Et du coup, le 2, je me suis rendu compte qu'il était sorti en 2020, je sais pas si tu l'as fait. Ouais, qu'est-ce que c'est intéressant ou je ne sais pas. Moins que le premier, j'ai trouvé. D'accord. En vrac, il y a également Orochi qui est arrivé sur le Game Pass. Je sais plus si on avait passé le trailer ou pas. Je crois pas. De Orochi. Ça parle à des gens, vous voulez voir le trailer ou pas du tout. On est sur un espèce de visual novel tout en dessin animé qui était sorti il y a un certain temps sur Steam et qui arrive du coup en version. Ben, je pense qu'on devrait enchaîner sur le cinéma, ouais. On va enchaîner sur le cinéma, mais voilà. En tout cas, il y a Orochi qui est arrivé sur le Game Pass. Donc si vous avez le Game Pass et que vous avez envie de tenter, eh ben c'est dispo. Ça marche. Voilà. Est-ce qu'on passe du coup sur la partie ciné, ouais. Cinéma. Ouais. Le truc spoil, alors c'est parti pour... Hey, Dad. We decided to make a video diary for you while you're away. So, get well soon, please, because we don't like being alone. We're going out for some exercise. The streets are pretty much empty, other than stuff like this. Why'd you record me sleeping in the middle of the night? I didn't. You? Art. She thinks I'm playing a prank on her, which I'm not. Mom? My sweetest one. Dad, what the hell is the closet creeper? I think we have to leave the house. Oh my god. Ouais. Ok. Bon, on est sur un titre qui fait dans la simplicité en tout cas. Mm-hmm. Alors, c'est donc un film américain de forme found footage. Yep. Qui est réalisé par Jacob Estes, qui a tricoté avec divers films horrifiques, un film chez Blumhouse, Don't Let Go, un film qui avait à l'époque été un peu le film de la retraite de Tobe Hooper, qui s'appelait The Details, il y a une dizaine d'années. Tobe Maguire, excusez-moi.
Voilà, et c'est aussi signé donc par ce réalisateur qui avait écrit le scénario, qui avait co-écrit le scénario du très décevant Rings. Ah oui. En 2017, qui avait de bonnes idées, mais qui était un naufrage intégral en termes d'exécution. Donc, Is Watching, le synopsis, c'est un duo de frères et sœurs qui sont livrés à eux-mêmes dans le domicile familial. Les parents sont absents parce qu'ils sont malades, si j'ai bien compris. Donc, ils sont en repos quelque part, en convalescence quelque part, et les enfants occupent la maison familiale. Ce sont des enfants très vifs, très joueurs. Donc, ils se font des pranks, passent leur temps à se faire des blagues. Et leur jeu vire au cauchemar quand ils réalisent qu'une présence sinistre les observe et veut aussi jouer avec eux. Je n'ai pas trouvé de date de distribution. Ça a l'air de faire une proposition de found footage avec les curseurs à fond. Hein. Ouais. Un peu comme quelques-uns des derniers Paranormal Activity, où vraiment on s'embarrasse plus forcément de logique ou de dispositifs réalistes ou quoi. On pousse les curseurs, on y va à fond, on fait plein de propositions. Voilà. Je sais pas trop ce que ça va donner au final, parce que c'est un trailer, donc le rythme est un peu frénétique, hein. c'est très trompeur sur ce genre de film. Mais ça a l'air intéressant, en tout cas, ça a l'air d'être une proposition intéressante. Ok, bah moi ça m'a évoqué tout de suite Paranormal Activity, du fait qu'on soit dans cette cellule familiale, et puis quand même vachement dans les murs, même si au début c'est pas le cas. Puis ce côté je filme des choses de mon quotidien, j'ai l'impression qu'il y a une exploitation du mythe du monstre dans le placard. Ça aurait pu être le monstre sous le lit, mais bon là voilà, j'ai l'impression qu'il y a un truc dans le placard, que ça se manifeste par là. Là il y a cette espèce de truc qui me fait penser à du David Lynch, mais voilà, bref, ça c'est mes travers à moi. Après c'est un vice chez moi, il y a des écritures saccadé sur des feuilles blanches en noir, et il y a de l'esthétique VHS. Rappel non, parce que vous ne le savez pas, mais il y a des gens qui me connaissent qui le savent. J'ai quand même payé un plugin sur mon téléphone pour pouvoir filmer avec des images type années 90 glitchées. Je me sers absolument tout le temps de ce putain de plugin pour filmer des images de type VHS. Donc effectivement, rien que quand j'ai vu la typo avec marqué machin présente, voilà, ça là, voilà, ça c'est la typo HI8. Évidemment, ça m'a parlé. Donc, ça peut être de la merde, je le regarderai parce qu'en fait, je peux passer littéralement 9 heures d'affilée à regarder de l'esthétique VHS. Ça ne me posera aucun problème. Et puis, je suis un bon client. Hein. Rappelle, la dernière fois, on s'est déchiré sur. Comment ça s'appelle, la Cam Cruise, tout le monde dans le chat disait « Ouais, ce film c'est de la grosse merde de ouf !» Ben moi j'ai vu le film, il y a des choses qui m'ont posé problème, notamment le méchant, j'en dirai pas plus. Par contre, j'ai absolument pas trouvé que c'était de la grosse merde. Voilà. Mais peut-être parce que, une fois encore, quand il s'agit de found footage, je ne regarde pas un film de cinéma, je regarde un film de found footage, et je le sors de la catégorie « Je regarde un film de cinéma » et je le mets en comparaison avec d'autres found footage. Puisque de toute façon, vous pouvez faire le meilleur found footage que vous voulez, ce sera toujours un gros film de merde par rapport à l'histoire du cinéma. Ah non. Toi, j'enchaîne tout de suite, tu penses à David Lynch quand il voit la femme dans la douche. Moi, je pense à Shining, ouais. Avec donc une femme aussi dans une salle de bain. Non, mais ça a l'air intéressant. Par contre, pour essayer de vaguement trouver un fil rouge dans tout ce que je vois, c'est difficile parce qu'il y a un type en combinaison anti-chimique là où je sais pas trop quoi qui est mort. Je vois une femme donc qui pose potentiellement fantôme. Is Watching, donc c'est masculin. Là, toi, tu me dis qu'il y a. Enfin, non, Zaftig nous dit que. Qu'il y a des... Non, mais c'est même ça, que les parents se sont barrés. Ouais. Alors que c'est. Enfin, les personnes. Enfin, là, je. Enfin, c'est. Non, je comprends pas. Mais du coup, ça m'intéresse. Ouais. Mais je t'avouerai que dans une demi-heure, je serais très à mal de dire de quoi ça a parlé. Parce que j'ai l'impression que ça parle de tout. Après, j'ai l'impression qu'il y a une recherche par les deux enfants d'une esthétique de l'horreur. On voit qu'il y a un espèce de truc qui s'apparente à un incendie ou des attentats, je sais pas. Il y a cette femme morte dans la voiture, il y a ce mec en combinaison. J'ai l'impression qu'il recherche le frisson et qu'il filme un peu tout ce qui est potentiellement
frissonnable, quoi. Je crois que c'est un peu l'idée, hein. Je crois qu'on est vraiment sur des enfants hyper actifs, hyper curieux justement de ce genre d'esthétique de base. Ouais. Après, je sais pas trop, j'ai l'impression qu'on est dans une espèce d'univers où il y a une pandémie ou un truc comme ça. Ouais, ouais. Et ce qui peut être expliqué, genre sur les pandémies mondiales, c'est genre sur la Terre en 2020, quoi, tu vois. On voit, il y a un plan sur l'hôpital, tout ça. On peut imaginer qu'on est dans un récit ou une maladie. Je sais pas trop. C'est vrai qu'en termes de cohérence d'univers, je comprends pas trop ce qui se passe. Mais cela dit, je peux faire confiance au film aussi. C'est le truc a quand même été écrit. Et bisous, Ambrist. Salut, Ambrist. Bah d'ailleurs. Juste, je fais juste une parenthèse très rapide sur ce qu'a dit Ombris par rapport à Rings 2. Moi, les bonnes idées, je ne les ai pas trouvées. Il y avait une très bonne idée dans Rings, pardon, pas Rings 2, Rings. Il y avait une très bonne idée, pour ceux qui connaissent Ring, le cercle, tout ça. C'est qu'il y avait un campus universitaire qui avait isolé la vidéo maudite qui est au centre du film, avec des étudiants qui étudient les vidéos de Sadako, hein, avec ce principe viral que c'est une cassette maudite qu'il faut transmettre au prochain visionnaire pour se protéger de la malédiction. Et là, du coup, c'était des étudiants qui, de leur plein gré, étudiaient la vidéo frame par frame, qui observaient un peu comment ça marchait, etc., pour essayer de comprendre le truc. C'était une très bonne idée dans Rings, qui était très intéressante, avec un prof qui basait un de ses cours là-dessus. Et c'est pas du tout exploité. C'est vraiment un truc qui est complètement pas exploité dans le film. Alors que c'était, pour le coup, une très bonne idée que j'avais trouvé dans ce film-là. Ouais. Quand j'avais vu ça, je me suis dit, ça va proposer un truc. Non, c'est de la merde tout de suite après. Ça dure 2 minutes, il y a 2 minutes intéressantes, et là, c'est vraiment pas bon. Mais au moins, il y avait cette bonne idée. Bref. Il y avait pas ça dans le remake états-unien du film de... Comment il s'appelle le type qui a fait Cure ou quelque chose comme ça. Kozo, Kyoshi Kozo. Oui. Pulse. Le remake de Cairo. Oui. Ah. Oui, le remake de Cairo. D'ailleurs, c'est une série de 3 films, je crois, tellement c'est ah oui, c'est ça avait été décliné, effectivement. Bon, oui. Mais je crois qu'il y avait une histoire d'étudiants aussi. Avec oui, ça se passait effectivement avec des étudiants. Mais bon, c'était tellement... Oui, c'était difficile. Hein. Mais j'ai regardé les 3, mais difficilement. Mon Dieu. Ouais. Tu n'as aucune limite. Non. Voilà. Très bien. Ok. Ouais, allez. On enchaîne ? Ouais. Eh bien, let's go. Tu vas ouvrir les yeux. En vrai, docteur, si j'étais mort, je serais allé au paradis ou en enfer. On peut s'emmerder au paradis, non ? Trois. J'ai des images dans la tête. Deux. Il y a que l'hypnose qui arrête ça. Un. Il est de retour. Qui est de retour ? C'est pas ma faute si je fais le mal. De quoi tu as peur ? D'où proviennent ces notes ? Le mastema est un des noms que l'on attribue au diable. Vous les avez vus, vous aussi ? Quoi ? Vous le savez, vous étiez avec moi. Je vous reconnais plus. Faites attention, la mort a créé des peurs qui distendent votre jugement. Docteur, croyez-vous en Dieu ? Et vous, mon père ? Croyez-vous au diable ? Hé, hey, docteur ! Vous êtes qui, putain ? Ça, c'est pas la bonne question. Demande-toi, toi, qui tu es. Très très mal. Bah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de truc français. Ah, ça fait très très mal. Hein. Putain, mais on comprend pourquoi. Ah, même le Besson a l'air bien à côté. Bref, Zafi, c'est à toi. Alors. On viendra sur. Mastema, c'est une production franco-belge de Didier Darwin qui, avant Mastema, d'après ce que j'ai cru voir, n'avait qu'un film à son crédit, un documentaire qui s'appelle, tenez-vous bien, Diama Jewel, Marseille, capitale du rap. Ah ouais! Très bien! Je vous voyez pas, mais je suis dans une forme de poker face absolue. Il ne se passe absolument aucune émotion sur mon visage. Alors, le synopsis d'abord, après on commente un petit peu. Donc, synopsis Allociné, une fois n'est pas coutume. Hein, ah bah oui. Je vais jamais sur Allociné. FRFR. Bon. Hein. Voilà. Après la mort brutale d'un proche lors d'une séance d'hypnose qu'elle animait, Louise, jeune psychiatre, tente de se reconstruire en s'installant dans un petit village de l'Aubrac.
L'arrivée d'un nouveau patient au comportement étrange va la plonger dans une spirale infernale. Sa vie et celle des autres vont devenir un véritable enfer. Et le film sort en salle le très bientôt 29 juin. Oui. Donc la semaine prochaine. Et avant de laisser la parole à mes camarades, je vais simplement dire que pourquoi est-ce qu'on a autant de mal avec l'horreur en France ? Qu'est-ce qui se passe ? Mm-mm. Ça devrait être simple, on a plein de bases, hein, mais ça ne veut pas. On reprend ça à la conversation d'il y a 15 jours, quoi, en fait. Alors, on va reparler de Brocéliande de Dogged Line. Alors, en vrai, moi déjà j'ai un problème, c'est je pense que les anglophobes sont très contents qu'on ait montré un film français. Par contre, le problème, les gars, je sais pas si ça le fait qu'à moi, c'est que dans les trailers anglais, vous comprenez pas les trucs. Alors, je dis pas ça pour fustiger le public, hein, c'est loin de là mon idée. Mais dans les trailers de jeux vidéo, des fois c'est pas sous-titré, ça vous pose pas de problème. Dès que c'est pas sous-titré sur le cinéma, ça vous pose problème. Et là, en fait, c'est pas sous-titré, sauf que c'est tellement mal mixé qu'il y a la moitié de dialogue que je ne comprends pas. Ah, est-ce que vous générez des sous-titres automatiques ? Non, mais c'est pas la peine. C'est juste que, en vrai, c'est cool hein, d'avoir des films en français. Encore faut-il qu'ils soient intelligibles. Et, non, mais là, on est bien hein, sur les sous-titres. Je trouve qu'on est absolument dégueulasse en termes de mix. Et j'espère que c'est pas le cas de tout film. Mais je repense par exemple pour Aux Rivières Pourpres. Je trouve que le film est absolument inintelligible. Hein. C'est, voilà. On a un problème déjà avec ça en France. Clairement quoi. Ensuite, à tous ceux qui ont dit que la Cam Cruise c'était de la grosse merde, je vous demanderai de réviser votre copie une fois que vous aurez vu ce film. Parce que la Cam Cruise ça a l'air quand même 50 fois mieux. Puisque la Cam Cruise sont des acteurs qui sont pas très professionnels. Or là, il y a quand même un casting. Donc vraisemblablement, ce sont des gens qui sortent. Ne serait-ce du cours Florent, du cours Simon ou de la Comédie Française, peu importe. En tout cas, ce sont des gens qui ont soi-disant l'audace de bien jouer. Moi, je trouve que c'est déplorable tout ce que je vois à l'écran. Et putain, c'est pas intéressant. En fait, le truc, c'est qu'on n'arrive pas à exploiter notre folklore. Là, alors, effectivement, Moutouk disait un truc qui avait l'air, ma foi, pas idiot dans sa proposition. C'était de l'exorcisme avec un homme, je prends. C'est vrai que d'habitude, c'est toujours des meufs hein, qui se font exorciser parce que c'est marrant de voir sûrement des femmes souffrir à l'écran. Je ne sais pas. En tout cas, je pense que les quatre possessions ne sont pas que féminins. Et si c'est le cas, eh ben, effectivement, il va falloir remettre en cause l'Église plutôt que les démons. Mais en tout cas, voilà. Je trouve qu'il y a tout un tas de délires qui vont pas, quoi. La chute d'eau qui passe à l'envers. Senseiya, c'est ça. Genre, je trouve que tous les acteurs font un délit de sale gueule. J'ai l'impression que le casting est raté avant même que j'ai vu le film, en fait. Ça ne fonctionne pas, je le trouve pas crédible. Le jeu, il a l'air pas du tout habité. Et puis au final, j'ai l'impression qu'on est. Pour moi, j'ai l'impression de voir les Rivières Pourpres, quoi. C'est-à-dire cette espèce d'horreur qu'on essaie de faire à la française en disant trop stylé, putain, quand je vais écrire le film, je vais imaginer que c'est Brad Pitt et Angelina Jolie. Et après, il tourne le film en France et il se dit ouais, putain, en fait, ça marchait vachement mieux avec Brad Pitt et Angelina Jolie, quoi. Hein. Enfin, c'est genre. J'ai l'impression de voir un film américain tourné par des Français, pour des Français, en France, et ça fonctionne pas, quoi. Est-ce que vous croyez que Mastema, au départ, c'est genre mange tes morts, mais en dit très très vite, tu vois. Et avec la bouche pleine. Et avec la bouche pleine. Genre, Mastema. Tu vois ce que je veux dire ou quoi ? Ouais, non, mais en fait, vraiment, je trouve que les Français qui... Parce que ça se voit qu'il y a ce désir de faire potentiellement ce que Luc Besson arrive à faire, même si je trouve pas ça quali, de faire du cinéma international, et je trouve que ça fonctionne pas du tout, quoi. Vraiment, c'est beaucoup trop franco-français pour que ça marche ailleurs que chez nous, quoi. Moi, je suis dépité qu'on ait perdu 6 viewers depuis le début de cette personne. Ouais, ouais. Genre, vraiment... Albin, peut-être tu trancheras davantage, mais... Enfin, là, tous les trucs que vous dites sur le jeu vidéo, genre je l'ai trop vu, je l'ai trop fait, machin, putain, moi, ça fait 10 ans que je pense à du cinéma, c'est pour ça que je regarde pas de film, en fait, quoi. La vache! Est-ce que là aussi tu pourrais en parler pendant une demi-heure? Mais oui, mais ça, moi je suis habitué à regarder ce genre de film sur le coup de 4h du matin avec de la pizza froide et de la bière chaude, ça me parle! Non, mais le tic qui regarde des fonds d'écran de Baphomet, mais c'est excellent tout ça, c'est excellent, moi j'adore! Si, un homme possédé, on trouve ça dans l'Exorciste 3. Moi je l'aime bien, mais je regarde ce genre de film à 3h du matin. Mais même ça, le plan sur le couteau, il est vraiment splendide, quoi. On passe au film suivant. Mais Adi, ça me fait penser à Shaitan, quoi. Shaitan, il y avait une proposition qui était plus originale que ça. C'était pas excessivement réussi. Ceci dit, c'était des mecs de court trajet, donc c'était. Bon voilà, on sent que c'était un premier film. On sent aussi que c'était un naufrage au niveau de la production. Et je le sais, parce que je vous invite à regarder, elle est disponible, je crois, en ligne, la critique de Yannick Dahan sur Shaitan. Où on sait que c'est littéralement Vincent Cassel qui a sauvé le film parce que les mecs de Courtrage, mais ils étaient en mode yes, on a du budget, yes, on a du matos, on fait n'importe quoi.
ils ont cramé le matos à faire de la merde absolument partout, et que Vincent Cassel a donné de l'argent de sa poche pour que le film existe et pour sauver la production du naufrage. Mais après. Après, dans Shaitan, voilà. Il y a un petit côté, enfin on va pas revenir dessus, ça va pas avoir un coup, mais un petit côté mépris de classe qui peut-être avoir mal vieilli entre temps. Ouais, ouais. Mais ça, enfin entre guillemets, ça me dérange pas, mais certaines personnes pourraient un peu grincer des dents. Non, mais j'ai l'impression que ça essaie de faire de l'horreur chrétienne, qui lande un peu sur le côté rural pagan horror. Alors que, mais ça s'inspire même pas des légendes françaises. J'ai l'impression de revoir encore un truc en mode. Un film sur l'exorcisme qu'on aurait vu dans les années 60, puis dans les années 90, puis dans les années 2000. Et c'est la même proposition qu'Harry Verhoef, en fait. Vraiment, quoi. C'est, on ne sort pas de ce truc, quoi. Arrêtez avec le diable et faites-nous un film sur le Gévaudan. Enfin, il y a des trucs en France, hein. Vraiment, il y a des trucs à faire, quoi. Puis les dernières répliques qu'on entend, De quoi, levez-vous mon père, croyez-vous au diable ? Ouais. Enfin, ouais. Ce genre de truc et... Mon Dieu, quoi. La femme qui dit que des fois au paradis on s'ennuie un peu, c'est un peu cool, tu vois. Non, ça. Mais j'ai pas compris la réplique parce que c'était mal mixé. Ah, d'accord. Ouais. On passe au film suivant ? Allez. Allez, on va passer au film suivant. Hein. Ça fera du bien à tout le monde. Et puis au moins, comme ça, on arrivera au bout de ce trailer. A de suite. Hello. Awukwazi noya eRomini kaMendem. Kukho umoya omda. Yho hayi wethu, uyawuthanda uchuku. Malweni, but i-family picture ndisile. Uthanda awuthandi le nto. It's not that umama akayithandi le nto. Qha le ndlu sikibe ngathi ayimthandi umama. Sisebenza ntoni kumnyameni? Ce n'est pas un film de Jordan Peele. Voilà, vous pouvez arranger. Et tant mieux parce que Candyman il était pas très bon. Bref. C'est une commande. On continue un peu, j'essaie un peu de pas rester focus sur les États-Unis. Effectivement, on pourrait remplir toujours de. Quitte parfois malheureusement à faire des détours par la France pour voir un peu ce qui se fait niveau horreur. Hein, c'est, voilà. Là, on est en Afrique du Sud, avec donc la réalisatrice Jenna Katobas, qui change un peu de registre, puisqu'elle avait auparavant réalisé un premier long métrage en 2018 qui s'appelait Rafiki. C'est bien truc ça. Qui était une chronique, c'était pas trop mal, c'était une chronique de vie de deux lycéennes amoureuses, etc. C'était un peu la vie d'Adèle version Afrique du Sud avec d'autres problématiques. C'était pas mal et bon, c'est une réalisatrice qui donc porte un discours social qu'elle décline ici dans le registre horrifique. Donc évidemment, on peut penser au film de Jordan Peele. Le synopsis de Good Madame. Et le suivant, Sidi, une mère célibataire, est obligée d'aménager chez sa mère Mavis, une employée de maison qui s'occupe de façon obsessionnelle de sa madame, une blanche catatonique, dans une banlieue cossue du Cap. Pas de date de sortie prévue, pas d'attente gigantesque de mon côté, hein, ça renvoie à beaucoup de productions, notamment des productions contemporaines, mais... J'ai plutôt de la sympathie pour les productions Shudder. Mmh. Je trouve que c'est rarement spectaculaire, mais c'est souvent très honnête.
Donc voilà, pas grand chose à dire de plus pour l'instant. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors bah, effectivement, comme je disais à la vue du trailer, le fait que ce soit un casting noir, vraiment entièrement noir, hein, puisque j'ai l'impression que la Madame Blanche n'est jamais qu'une photographie, et que le film soit... Il y a des mains blanches à un moment. D'accord, bah, j'ai pas fait attention, excuse-moi. Mais que le film soit sud-africain, évidemment, ça a beaucoup de sens et c'est important. J'ai l'impression que c'est du cinéma important. Évidemment que la condition des Afro-Américains aux États-Unis est quelque chose dont il faut parler tout le temps. Mais bon, l'Afrique du Sud a quand même une histoire hyper particulière aussi avec les Noirs. Le fait que le film se passe à Cape Town encore plus, vu que j'ai l'impression que, bah, en général, les problèmes sont pas spécialement centralisés dans les capitales. Après, peut-être que je me trompe, hein, je connais pas bien l'histoire de l'Afrique du Sud, mais j'ai pas l'impression que Cape Town soit la ville la moins progressiste d'Afrique du Sud. J'y vois effectivement après des motifs de Jordan Peele. Peut-être qu'il a ouvert une porte pour d'autres réalisateurs et pour d'autres personnes noires, quoi. Et que du coup, bah, c'est bien, cette porte elle est ouverte, maintenant il faut l'exploiter. En dehors des États-Unis. Moi voilà, ça attire mon attention parce que c'est sud-africain. S'il y avait marqué Jordan Peele présente, peut-être ça m'aurait moins intéressé. Après, oui, ça se rapproche plus des productions Jordan Peele que des réalisations Jordan Peele. Moi, j'ai plus l'impression de voir Zem, la série dispo sur Amazon, que Us ou Get Out. Pourquoi pas? Après, effectivement, j'ai l'impression que le discours, au bout du 20e film, on en aura fait le tour, malheureusement. Mais pourquoi pas? J'ai l'impression qu'on est sur des traumas PTSD de l'apartheid, hein, et potentiellement même de l'esclavagisme, par rapport même au synopsis du film. C'est oui. Bah, c'est un ouais, c'est un oui. Franchement, il y a peut-être une proposition. Je sens pas vraiment l'horreur, par contre, qu'on soit d'accord. J'ai l'impression que c'est un film qui fait une proposition d'horreur psychologique, mais en tout cas, le trailer a pas voulu focus sur l'aspect horrifique, j'ai l'impression, quoi. Alors ben, du coup, je ne sais pas si... Alors, je vais peut-être dire une connerie et rajouter une couche à ce que tu dis, Captain. Je crois que c'est l'une des villes dans le monde où il y a le plus de criminalité. Oui. Donc, socialement, ça ne doit pas être terrible non plus. Ouais, d'accord. Okay. Après, c'est bizarre parce que... Alors, c'est complètement différent, mais ça me rappelle le film coréen Sisters. Mm. Dans le côté une maison et de l'horreur psychologique. A Tale of Two Sisters. Ce qui se passe, A Tale of Two Sisters. Peut-être, Corée du Sud, oui. Deux jumelles, dont une. Ouais, c'est ça. Bref, voilà, ouais. voilà. Okay. Mais cette horreur psychologique où il y a un personnage, enfin on voit ce qu'il pense et du coup même ça, le truc avec les meubles et tout, c'est très très proche aussi. Ouais, voilà, factuellement tout est faux, on sait très bien que c'est faux, mais on est juste dans le délire permanent du personnage, quoi. Tiens, je viens de donner l'intrigue de Sisters. Bref, mais non, enfin moi ça m'intéresse sans y voir un film de Jordan Peele, parce que je crois que je suis dans la salle, ici, je suis celui qui est le moins fan de lui, mais pour le coup, ce film-là m'intéresse vraiment, quoi. Alors après, effectivement, il y a Zoidberg qui fait référence à un film que je n'ai pas regardé, mais qui est dans ma wishlist Netflix, mmh. Effectivement, sur une famille qui s'installe dans une maison, et il y a vraiment un délire comme ça très oui, aussi. C'était quoi? Je crois que c'était This Is Our House ou un truc comme ça. Ouais, je crois, ouais. Que j'avais vu, et ouais. Qui était pas mal du tout, et qui en termes de proposition d'imagerie horrifique était pas inintéressant. Ouais. Ça m'avait un peu surpris, sans que ce soit exceptionnellement surprenant par rapport à ce que je voyais d'habitude. Il y avait des moments où je me disais, ah, c'est... Oui, oui, je pense que c'est ce film-là, même si j'ai oublié le titre. Our House. Ouais, ok. C'était pas trop mal, effectivement. Et bon, j'y ai un peu pensé, même si je pense pas que le lien soit très très fort, même si on est dans le cadre d'une maison, je pense que c'est pas du tout la même ambiance et la même proposition de narration. Mais oui, effectivement, on est probablement dans cette veine-là aussi. Oui. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on passe à la suite? Bah, c'est bon pour moi. C'est bon? Mmh. Ok. Ben, let's go pour la suite, on se retrouve juste après. Will er die Tante Claudia doch nicht helfen? Ich hab sie noch gar nicht gefragt. Hallo? Hallo? Simi? Tante Claudia? Schön, dass du da bist. Vielleicht könnte ich dir doch beim Abnehmen helfen. Bekomme ich was anderes?
Wir müssen deinen Körper mal entgiften. Ich hoffe, es stört dich nicht, dass du mit Philipp ein Zimmer teilen musst. Kalt dich das auf. Der Philipp ist leider nicht ganz gesund, Simi. Kannst du bitte endlich dieses arme Tier erlösen? Ok, donc Family Dinner, c'est un film autrichien signé par le scénariste Peter Engel, dont c'est, je crois, le premier long métrage en tant que réalisateur. Le synopsis est le suivant. Une adolescente en surpoids passe les vacances à la ferme de sa tante dans l'espoir d'obtenir de l'aide pour perdre du poids. Mais peu après son arrivée, elle commence à soupçonner qu'il se passe là des choses tout à fait anormales. Le film fait en ce moment même le tour des festivals. Hein. Il a bénéficié d'un bouche à oreille plutôt positif, mais je n'ai pas encore de date de distribution. Et pas plus d'infos que ce que montre ce trailer. Donc voilà, ça m'a un petit peu surpris. Ça m'a un petit peu fait penser à Ma Sœur de Catherine Breillat. Le côté. Famille avec une adolescente comme ça, en surpoids, dans une famille qui semble ne pas être d'une totale bienveillance à son égard. Je sais pas trop ce qui se passe, mais j'ai pas trouvé ça inintéressant. Je sais pas trop quoi en penser, pour être honnête. D'accord, bah écoute-moi... c'est marrant parce que dès les premières images humaines, du coup, parce que les premiers plans, c'est une voiture de la comédienne, je me suis dit, putain, intéressant, un casting de gueule, on a une jeune femme qui n'est pas proportionnée telle que la société voudrait qu'elle le soit. On a quelque chose d'original et j'aime bien en général les films avec des castings comme ça, j'ai envie de dire ordinaire et pas extraordinaire, puisque dans les films, c'est quand même de l'extraordinaire, hein, très souvent. Et du coup, sans comprendre une seule seconde que ce serait le sujet du film, le fait qu'elle soit grosse, je trouve que effectivement, Jordan Peele a ouvert des portes par rapport à certains sujets. Le sujet du surpoids et de la grossophobie n'est pas forcément quelque chose que l'on a souvent vu au cinéma. Et il me semble qu'il y a eu quand même par-ci par-là quelques tentatives. Mais voilà. Hein. En fait, il est extrêmement facile. Pour le coup, moi, je suis une personne en surpoids et je le suis depuis que j'ai 11 ans. Donc, je n'ai pas souffert le martyr et je n'ai pas plus souffert que ça des moqueries puisque j'ai toujours été assez bien entouré par rapport à mon poids. Mais, que tu subisses ou pas des moqueries, tu as toujours le regard hein, qui est un peu différent. Et du coup, je me dis, on peut quand même faire de l'horreur avec ce genre de sujet, le décliner sur des traumas, effectivement, que ce soit... le surpoids, que ce soit, je sais pas moi, tout un tas de trucs, effectivement, enfin, tout ce qui est la discrimination de toute façon. Et alors, je sais pas s'il y a un problème avec la bouffe dans ce film, ou si on est... Ouais, mais en fait, on pourrait être sur du Get Out, une fois encore, sans du tout comparer les problèmes de racisme et les problèmes de comment dire, enfin de grossophobie quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est peut-être aussi dans un mental formaté de cette jeune femme qui est grosse et qui se sait grosse et qui arrive dans cette famille où on a l'impression qu'il faut bouffer Elsie et qu'ils sont tous oversculptés. Enfin, en tout cas, le mec par ce poil et tout. Il est question aussi d'échanges sexuels peut-être. Au bout d'un moment, il lui dit est-ce que ça t'excite j'ai l'impression que c'est son cousin, c'est ça. Enfin bon, bref. Ce rapport au corps, en fait, peut-être que l'horreur vient justement juste de la psyché du personnage qui subit au quotidien des railleries sur son poids. J'en sais rien, en fait. J'ai l'impression qu'en fait, on bouffe, mais on bouffe pas beaucoup.
Je sais pas, après il y a un côté pagan, j'ai l'impression, hein. D'un coup avec du feu, des trucs, des machins, un rituel. Je sais pas comment même me situer par rapport à ça. Il y a ce côté, voilà, attention, on fait des rites, c'est marrant. Je sais pas s'il y a besoin de ça en fait. Genre juste, tu mets cette meuf grosse. Déjà, elle a deux défauts, entre guillemets, elle est grosse et c'est une meuf. Dans cette famille, et puis c'est bon en fait, hein, t'as un film d'horreur de 2h30. Hein, voilà, genre, ça fonctionne hyper bien, pas besoin d'aller plus loin que ça, quoi. Albin, je sais pas. Esthétiquement, je trouve ça super surprenant. Enfin, c'est très gris, c'est très triste. La bouffe est répugnante, je trouve. C'est un film autrichien. La chasse est non pire. Ça fait Henri Lilucas, Portrait d'un serial killer. Ouais, de ouf. Ouais. C'est l'esthétique. Enfin, même la table a l'air crade, quoi. Enfin, j'ai l'impression vraiment que enfin, et non. Et là, pour le coup, c'est l'esthétique des corps, mais je pense pas à la femme en particulier. C'est le type justement torse nu qui me rappelle un peu Otis, je crois. Ouais, ouais, tout à fait. Dans Henri Lilucas. Donc, c'est vraiment, enfin. Je crois que c'est le pire glauque du cinéma sur un sujet, sur la moquerie adolescente et compagnie. Ça peut donner un résultat, mais à mon avis, malgré un sujet qui peut-être est un peu plus léger qu'Henri Lilucas Portrait d'un serial killer, qui doit être à mon avis tout aussi glauque, bizarrement. En fait, c'est même pas que la bouffe elle est maigre, Fitou. Non, non, c'est bon, répugnant. Enfin, alors, cette cuisse est répugnante. Ouais, en fait, l'idée, c'est j'ai l'impression, là, parce que du coup, j'étais en train de prendre la parole tout à l'heure et du coup, je me rendais pas bien compte, là. C'est peut-être la quatrième ou cinquième fois qu'on voit le trailer. J'ai l'impression qu'on a cette fille qui a un problème de surpoids, qui va dans cette famille, qui fait attention à son alimentation. Et j'ai l'impression surtout qu'on a un problème de son cousin, qui est en fait, genre, juste végétarien. Parce qu'à chaque fois qu'il est question de tuer un animal ou de faire cuire un animal, il est dans la détresse. Donc j'ai l'impression qu'on a ce... Ouais, c'est un film sur l'alimentation, quoi, tout simplement, en vrai. Et en plus, les personnages sont toujours très seuls à l'écran, enfin, mais... c'est... Ah, c'est glauque, ça doit être génial. Parce que tu vois, il n'arrive pas à tuer le lapin, mais en même temps, ils font cuire au bout d'un moment du poisson, il n'a pas l'air méga fan du truc aussi. J'ai l'impression qu'il est... Tu vois, on lui coupe sa viande. Il y a un problème avec la viande, quoi, j'ai l'impression. Vraiment, j'ai la sensation que le... Ouais, qu'il y a un délire vraiment sur la viande, parce que c'est de la chair, parce que c'est le rapport aussi effectivement charnel, le rapport au corps. Et puis lui, il bouffe que de la merde, il bouffe du Nutella et tout. Bon, bref, j'en sais rien, quoi. Il y a la tante qui parle de détox aussi. Hein, ouais, détox, ouais. Bon, c'est une pratique un peu polémique. Voilà, hein, la notion de détox. Une bonne alimentation, c'est une détox. Après, ça s'appelle dîner de famille. Peut-être que chaque membre de la famille a son petit problème aussi. Ouais, peut-être. On dirait bien. Peut-être que le mec là, voilà, qui est hyper sculpté, il passe sa vie à faire du sport aussi, pour que son corps soit en bonne santé. Effectivement, hein, on a des dynamiques en tout cas de corps visuels qui sont très très différents et très particuliers. Voilà, je comprends. Après, il y a des trucs que je comprends pas bien, effectivement, sur la menace au couteau, ce genre de choses. Le rite pagan, ça me parle pas. Bon. En tout cas, moi, évidemment, ça me parle parce qu'on a tous nos traumas sur notre physique et sur notre histoire. Et que du coup, bon, moi, ça touche un petit peu le truc en mode. Et regarde, c'est un film d'horreur, elle est grosse. Voilà. Mais du coup, c'est pas un peu grossophobe de faire un film d'horreur centré sur une grosse? Je sais pas. Moi, je le ressens pas comme ça. Après, peut-être, hein, peut-être. On peut en penser ce qu'on veut. De toute façon, ce sont des sujets de société qui feront qu'à un moment, chacun va y trouver sa limite et on va être en désaccord sur les représentations. Moi, c'est tout ce que je t'en dirais. C'est-à-dire que toi, ta limite est peut-être pas la mienne. On a peut-être pas, voilà. On est peut-être tous d'accord pour dire que la grossophobie, c'est pas cool. Mais on a peut-être notre limite sur notre truc, quoi. Voilà. Moi, je pense effectivement que faire un sujet sur le regard par rapport au fait que tu sois gros, en utilisant un acteur gros, eh ben, ça fonctionne. Voilà. Mais c'est une question de représentation. C'est comme les gens qui vont te dire que intouchable, c'est pas cool parce que l'acteur, il est pas en fauteuil et qu'ils auraient pu prendre un mec en fauteuil. Voilà. C'est chacun y trouve sa limite, en fait. Hein, dans ce genre de sujet, effectivement. Voilà, voilà. On ressent pas de la moquerie. On ressent pas de la moquerie dans le trailer, elle ne fait plus partie du film. C'est pas le sujet central. Oui, oui. Mais c'est pour ça que, en fait, je reparlais un petit peu de Jordan Peele, sans vouloir mettre en... comme dit, en rapport le racisme et les autres formes de discrimination. C'est que à un moment, on parle de l'apartheid, on met des acteurs noirs, quoi. On parle de grossophobie, on met un ou une actrice grosse, quoi. Enfin, c'est... Pour moi, ça fonctionne de ouf, en fait. Alors, j'ai absolument pas le même ressenti que Berg en lisant sa dernière intervention.
Je trouve au contraire que ce personnage, c'est le seul personnage avec lequel on est en empathie dans, dans le trailer. Hein. Je trouve que c'est le seul... Alors, bon, mettre au centre d'un... Je sais pas, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est comme dire mettre un personnage noir au cœur d'un film d'horreur, ça fait intrinsèquement partie... Ça rend le film directement raciste, en fait. Bah, Get Out, quoi. Non. Comme si Get Out, voilà, est un film raciste parce que le héros est noir. Là, l'héroïne est en surpoids. Pour autant, j'ai pas l'impression que ce soit ni un sujet de moquerie, ni que ça rende le personnage antipathique, que le film cherche à nous la rendre antipathique. Et comme je le dis, au contraire, j'ai l'impression que c'est le seul personnage auquel on arrive à s'attacher dans ce trailer. Pas faux, mais je parle plus de manière générale. Je sais pas, Isotberg, hein, franchement, je te dis oui. Je serais pas en désaccord sur la représentation, enfin le... comment dire... le fait qu'il y ait pas assez de comédiens noirs, qu'il y ait pas assez de comédiens gros, qu'il y ait pas assez de... voilà quoi. Comédiens et comédiennes, hein, qu'on s'entende. Mais en soi, là, c'est la thématique du film. Donc, pour le coup, je pense que c'est bien utilisé. Est-ce qu'on prend 40 points de légèreté en passant dans le trailer? Ouais, on va... C'est l'horreur française? Non. Pourquoi la légèreté? Parce que le film, il est lourd. Non, parce que Zaptig a bien rigolé devant le trailer. Non, mais c'est parce que ça parle des gros, c'est pour ça. Lourd. Ouais. Non, bah alors pas du tout. Allez, c'est parti. J'en ai marre. De quoi souhaitiez-vous parler? De ma patiente. Bonjour. Je sais que vous êtes anxieuse. Je veux juste qu'on discute. Je vois une chose que je suis la seule à voir. Une chose qui me sourit. Ah ! Oh, Mathias ! Ah ! Hier, une patiente que vous suiviez est morte de façon violente, sous vos yeux. J'ai besoin de trouver une explication. Tu vas mourir! Tu vas mourir! Tu vas mourir! J'ai relevé 20 affaires impliquant 19 victimes directement reliées entre elles. T'as parlé que de 19 victimes. Pourquoi tous ceux qui l'ont vu sont morts et pas vous? Je l'ai vu aussi. Vous? Combien de temps entre la mort de chaque victime? Aucune n'a survécu au-delà d'une semaine. Rose! Aujourd'hui, c'est mon 4e jour. Je peux plus fuir comme ça! Il faut que je l'affronte. Et qu'est-ce que ça vous fait? J'ai tellement peur qu'il se passe quelque chose de terrible. Rose. Oh, moi, je suis désolée, mais la scène de porte, je la trouve terrifiante. Hein. Vous en faites ce que vous Alors, voulez. Alors, Mileven, justement, disait... j'ai vu ce trailer, je suis un peu curieux, même si j'ai une question sur la toute dernière scène. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Mais le film n'a pas encore de classification au CNC, hein, donc voilà. Faites-en ce que vous voulez. Zaftig, c'est moi, ton... Moi, je repars faire du riz. C'est ton moment, Zaftig. Du coup, c'est une bande-annonce que m'a envoyée Tachi il y a quelques jours, et j'ai ri tout du long, hein, donc... Mais toi, les gens qui se forcent à sourire, ça te fait rire, hein. Là... Pourquoi? Parce que l'RG de la cam cruse, tu trouves ça ridicule parce qu'il y avait des sourires forcés. Ah, ça me mettait en rage, ça me faisait pas rire, hein. Je trouvais ça scandaleux de jouer aussi mal. Les vieux dans Mulholland Drive, ils font rire. Non, mais c'est autre chose. Il y a quelqu'un qui sait ce qu'il fait derrière. Ah oui. Du coup, bref, Smile. Avec une magnifique bande-annonce doublée en français, hein, ouais, parce que autant... voilà. Bah, là, on vous a vraiment fait le top. Hein. C'est beaucoup plus immersif, comme ça, on est encore plus dans l'ambiance. Ouais. Donc, c'est un film américain de Parker Finn, dont je crois que c'est le premier long-métrage. Ouais.
Le synopsis est le suivant. Parce que... Voilà, hein, on pense un petit peu à... On pense un petit peu au sixième sens, voire beaucoup. Et on pense un petit peu, effectivement, à Düring ou à ce genre de choses, voire beaucoup. Mais il y a quand même une histoire propre à ce film. Après avoir été témoin d'un incident traumatisant impliquant l'une de ses patientes, la vie de la psychiatre Rose Cotter tourne au cauchemar. Terrassée par une force mystérieuse, Rose va devoir se confronter à son passé pour tenter de survivre. Alors je disais premier... Ah merde, c'est fini ? Oui. Ah oui, d'accord. Oui. Non, c'est fini le synopsis, d'accord. Donc il y a un côté démerdez-vous avec ça. Mais c'est vraiment ça, hein. Je disais premier long métrage, mais Parker Finn a notamment réalisé en 2020 un court de 10 minutes, Laura Hasn't Slept, l'histoire d'une jeune femme qui demande l'aide d'une psy, car elle n'arrive pas à se débarrasser d'un cauchemar. Mm-hmm. Donc un court métrage qui préparait le terrain pour Smile, d'autant qu'il y a des acteurs en commun entre les deux films. Et c'est donc un film, Smile, qui sortira dans les salles le 28 septembre prochain. C'est bien marqué tout du long. Voilà. Moi, ça m'a fait marrer, je trouve ça très con, hein, pour être honnête. Mais le genre de film très con devant lequel on passe pas forcément un mauvais moment, même si on voit pas un bon film. Mm-hmm. Parce que, pourquoi pas? Je pense que c'est effectivement un film entre potes. C'est, voilà, bon, c'est des recettes, c'est du déjà vu, c'est a priori, enfin, c'est très certainement beaucoup moins malin que ça n'aspire à l'être. Ça, c'est comme des plans Thrilling. Hein. Le cercle, pour le coup, le Gore Verbinski. Voilà, j'en sais rien, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, j'ai vraiment eu la sensation... Mais je l'ai dit direct, hein. Dès que le trailer s'est lancé, j'ai dit « Ah cool, c'est le dernier M. Night Shyamalan !» J'ai l'impression de voir du Shyamalan, avec tout ce que ça implique de rater. Et de potentiellement bonnes idées bien plus ou moins bien exploitées. Ce côté à l'endroit, à l'envers, là, je trouve que c'est vrai pas. L'actrice principale me trouve parce que j'ai l'impression de voir trois actrices que je connais mais mélangées en une seule. J'ai l'impression de voir Neve Campbell, j'ai l'impression de voir Alanis Morissette, et j'ai l'impression de voir comment s'appelle cette meuf Nathalie Portman. Non, pas Nathalie Portman. La meuf qui joue toujours dans les productions de machin, qui fait American Horror Story, Glee et compagnie, qui joue et d'ailleurs. Qui est dans Men, enfin qui sera dans Men. Ouais, qui sera dans Men et qui joue effectivement aussi dans le comment ça s'appelle, Mildred. Enfin bref, voilà, hein, cette comédienne là. Et puis non, encore une autre actrice qui jouait chez les frères Coen. Enfin bref, bon voilà, hein, c'est vous dire à quel point ça m'intéresse puisque je suis en train de essayer de vous dire à quelle actrice ça me fait penser. Non, mais en vrai, je pense que c'est un film qu'on pourra regarder ici tous les trois ou tous les quatre, si Tachi veut le voir. Vraiment, en fait, juste, je peux le résumer hyper facilement, mon avis. Genre, vraiment, M. Night Shyamalan, quoi. Voilà. Je pense que ça dit aussi bien ce que j'aime que ce que j'aime pas. Genre, c'est Le Sixième Sens, et c'est The Visit, et Signs, et c'est super, et c'est tout le reste, et c'est nul à chier, Albin. J'aime bien ta conclusion. Non. Non, mais c'est... Bon, apparemment, il y a un problème à régler avec les psys, donc on peut pas... Enfin... On peut pas trop lui jeter la pierre. Mais oui, alors attends, je te coupe deux secondes. Zoidberg dit The Visit. The Visit, incroyable film, No Shaman. C'est presque le moment où je me suis dit, merde, en fait, il avait fait exprès d'être mauvais, maintenant il va revenir bien. Bon, et en fait, il a fait que The Visit depuis qu'il est bien, mais voilà quoi. Excellent film, hein, The Visit. Mieux que celui qu'on avait vu ensemble. Old. Oh là là, Old. Non, pas Old, tu te rappelles la forêt avec les amis de le village. Ouais. Mais non, mais quelle horreur. Ouais. Mais je te conseille The Visit, Zoidberg, c'est un fun footage d'ailleurs. Un très très bon fun footage. Tu ne l'as pas vu, Albert? Non, pour le coup, non. Oh. Bon, et on va quand même discuter de Smile pendant 2 minutes. Bah. Non, mais ça a l'air bien. C'est quelqu'un qui voit une de ses patientes se scarifier devant elle. Depuis, elle est torturée. Elle voit des sourires sur la face des gens. Et à chaque fois qu'elle voit des sourires, et bah, ces gens, et bah, ils meurent, quoi. Et ça, c'est triste. Il y a un côté It Follows aussi, hein, je trouve. Ouais. On a souvent eu ce débat sur It Follows. Toi, tu aimes beaucoup. Moi, nettement moins. Mais je trouve quand même que c'est mieux. Enfin, que It Follows, c'est mieux. Enfin, ah, d'accord. Je t'avoue, enfin, techniquement, ça a l'air pas folichon en plus, alors qu'il fallait, je peux au moins lui reconnaître ça. Enfin,
Ah, je sais pas. Mais après, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon seuil de tolérance est assez élevé, donc je regarderai, hein, donc je me marrerai. Et puis là, le passage avec la tête qui pend, enfin, c'est rigolo, quoi. Voilà. Et puis ce passage avec le type qui hurle, ah, tu vas mourir, non, c'est bien, c'est bien. Donc voilà, c'est tout ce que je vais dire. Non, mais il y a ce côté, les gens qui sortent à sourire, bon, effectivement, c'est un débat qu'on avait eu avec Zaftig, avant même que le film La Cam Cruise sorte, hein, à l'époque de la RG. Où moi je trouvais que les rires crispés ça fonctionnait plus ou moins, mais c'était ok. Et lui, les sourires crispés, c'est pas possible, hein. C'est le truc, ça le rend nerveux, quoi. Ça me rend pas nerveux. En soi, ça me dérange pas quand c'est très mal joué et que t'as vraiment t'as juste l'air très con. Ouais. Je trouve que l'effet est complètement raté. Zedberg qui parlait il y a quelques instants de l'acteur qui ressemble à Shyamalan, il s'agit de Kalpen. Qui est plutôt un acteur de comédie à la base, c'était notamment lui dans la saga des films Stoner, Harold et Kumar, un des deux potes. Voilà. Ça se terminait sur un twist, Zedberg, The Visit, que je ne dévoilerai pas ici pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais on est aussi sur du bon cinéma de Shyamalan parce qu'il y a un twist, et que le twist il est bien, contrairement à The Village, qu'on avait deviné au bout de 10 minutes en disant que ce serait le pire twist. Mais bon, ça c'est notre délire. T'en souviens, Albin? Quand on avait vu The Visit de Shyamalan, ouais. On était quatre, je me souviens, et on s'était tous dit, on invente deux twists pour ce film, et j'avais trouvé le twist de fin, et quand je l'avais dit en explosant de rire, et tout le monde avait dit, putain, si c'est ça, c'est le pire truc, et c'était ça. Mais on l'avait trouvé à peu près à la moitié du film, en plus, hein. Ouais, ça n'avait pas duré longtemps. Hein. Donc on me fait remarquer, elle ne se scarifie pas, elle se tranche la gorge, oui, c'est vrai. Oui, elle se coupe en buvant. Oui, voilà, exactement. Effectivement. Mais elle sourit en tout cas, elle fait ça dans la bonne humeur et c'est ça qui est le plus important. Après, vous avez bien quand tu me dis c'est quoi les bons films de Shyamalan, c'est laissé totalement à ma propre subjectivité. Donc voilà, je pense que Le Sixième Sens fait quand même l'unanimité, c'est un très bon film. Moi j'ai bien aimé Incassable, mais après, à voir quoi. J'adore Signs, mais je sais pas si y a peut-être des gens qui aiment pas. Et à partir de là, jusqu'à The Visit, il n'y a pas de bon film, hein, pour moi. Donc voilà. Et il y a vraiment des tentatives extrêmement ratées, je peux te dire quels sont les très mauvais par exemple. Je peux te dire que le film avec Zoé Deschanel, un phénomène. Phénomène, c'est vraiment une grosse ratade. J'ai pas vu Avatar, le dernier des maîtres de l'air, mais apparemment c'est une ratade absolue. Ah, c'est débile, ça. Oui, oui. Ah, ouais. Hold, c'était vraiment, vraiment très raté aussi. After Earth. Eh bien, After Earth, j'ai un peu de sympathie pour ce film. Les grands-parents, c'est. Sign, c'est très bien. La jeune fille de l'eau, je l'ai pas vue, mais apparemment, voilà quoi. Il y a des gens qui disent que c'est chouette. La presse dit que c'est chouette parce que la presse dit que c'est un film qui répond à la presse. Mais bon, voilà, hein, Zaftig aura pas le même ami, je l'ai pas vu moi. J'ai pas vu effectivement Glass parce que. Si j'ai vu Glass, c'est quoi que j'ai pas vu? Non, c'est Split que j'ai vu, j'ai pas vu Glass. Parce que je trouve que c'est naze en fait. C'est vraiment naze. Et je suis peut-être parmi les 5% de cette planète qui trouve que. Split, c'est hyper mal joué. Vraiment, j'ai trouvé ça mal joué de ouf, en fait. Voilà, c'est... Il n'y a aucune finesse dans le jeu de ce comédien que j'adore, en plus. James McAvoy. Ouais. Voilà, et Tachi, on t'attend, parce qu'en fait, on meuble depuis 10 minutes. Ok. Sixième sens, Incassable. Incassable, c'était... Oui. J'aime pas Science. Oui, mais il faut pas le dire. J'aime pas The Village. J'aime pas du tout The Visit. Il y a eu vraiment 10 ans de vide pour moi du côté Shyamalan, puis The Visit, effectivement, qui a un peu redonné espoir. Surtout que pour le coup, il avait vraiment. Voilà, hein, il était vraiment libre de faire le film qu'il voulait faire. Et ça a marché très bien pour moi. Et puis, plus rien depuis, hein, effectivement. Alors, excusez-moi, il paraît que ça fait 10 minutes. Bah ouais, on meuble de ouf là. Meuble. Du coup, écoutez, voilà, c'était le dernier trailer. Ah ouais? Je pense que bah oui, c'est la fin. Hein. Ah merde, je croyais qu'il en restait un. Ah bah non, c'est fini là. Hein. Ah putain. Bah ouais. D'accord. Bah ouais, c'est fini. Hein. Bon, on a fini sur un débat sur M. Night Shyamalan. Vraiment? C'est toujours mieux de parler de Smile. Si tu veux que je te trouve un trailer d'un film indé de Jakarta que personne ne connaît? Non, pas du tout, ma foi. Non, voilà, c'était l'épisode de. On a vu 5 trailers de films là? Oui. C'est passé une vitesse, putain. Donc c'était l'épisode 4 des Germains Cotons. Merci d'être venu. Nous sommes un peu plus nombreux que la semaine dernière, et un peu plus nombreux que la semaine d'avant, et un peu plus nombreux que la semaine d'avant, et sûrement moins nombreux que la semaine prochaine, hein, dans deux semaines plutôt. Oui, donc on vous donne rendez-vous dans deux semaines
pour le prochain épisode des Jambes en Coton pour avoir l'actualité horrifique, cinématographique et vidéoludique. En attendant, je vous donne très probablement rendez-vous lundi ou mardi pour je sais pas quoi, mais il y aura du stream très probablement sur la chaîne vu que c'est mon week-end de 4 jours, donc ouais. Je pourrais faire du game nu. Ouais. Et regardez, et il y a le motto que vous allez vous répéter pendant 15 jours à l'écran, regardez, smile. Ah, et il y a un trailer qui est sorti il y a pas longtemps avec un slasher qui est un mécanicien, ça a l'air génial, regardez-le. Okay. On en parlera. Super. On en parlera du coup. Eh ben, pas, hein. On en parlera. Mais en tout cas, la vidéo part sur la chaîne de l'Armul Stream, oui. Pour ceux qui ont raté le début. La VOD sera disponible sur Twitch pendant 15 jours pour ceux qui veulent, et la playlist de ce qu'on a regardé ce soir vous sera envoyée, comme d'habitude, sur le Discord. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci à tous d'être restés. Merci à vous. Des bisous. Salut. À dans deux semaines. Portez-vous bien. Et bonne soirée, bon week-end. Au revoir. Tout ça. Restez cool. Bye.